Hey yo! Bonsoir à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve pour le petit live de 3h avec vous et moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire les gars, un anniversaire assez chaud, 1000 jours, sans avoir vu le skin Black Widow sur Fortnite. Messieurs dames, aujourd'hui du coup on a un anniversaire de ce genre-là, qui est incroyable. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'on n'a pas vu ce genre de skin. Il y a beaucoup plus de jours, on va dire, pour certains skins, comme le Reflex, comme pour le... Bref, le premier skin d'ailleurs, le plus rare du jeu. Tout ça pour vous dire, il y a des choses quand même dans Fortnite qui sont ahurissantes. Ahurissantes, ça veut rien dire. Ahurissantes, je voulais dire. Notamment, bah, le fait que ce skin dépasse les 1000 jours. Aujourd'hui, donc Black Widow, Fortnite. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. On va fêter l'anniversaire et surtout, on va voir combien de gens sur le live possèdent vraiment ce skin. Parce que je sais que, notamment, Zekrom, il a le skin. Je sais que vous êtes 2-3 personnes à posséder le skin. Mais combien au total de gens possèdent ce skin? Franchement, c'est une bonne question que je me pose. Si d'ailleurs, vous connaissez, vous, des gens qui possèdent ce skin, c'est avec plaisir que je vous attends et que j'attends que vous me disiez si vous connaissez des gens qui le possèdent. En vrai, moi, je trouve ça ultra stylé. Hein. Genre, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est bah, du coup le skin, le must-have, comme on dit, à avoir sur Fortnite. Mais en tout cas, bah écoutez, on se retrouve pour une petite partie de 3 heures encore. Et ça fait plaisir. Donc, j'espère que vous allez tous bien, passez un bon samedi. On va partir sur ces 3 petites heures. Je vais vous inviter très bientôt. Juste préparez-vous, bien sûr. Préparez-vous vos skins et tout ça. Et après, nous allons aller sur les petites sections. Aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire de Black Widow comme il se doit. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle ressortira un jour ou pas, cette Black Widow? Franchement, moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. J'ai envie de dire oui, mais apparemment, il serait possible que ça ressorte pendant le mois de mars. J'ai entendu des échos. Des échos, ça reste des échos. Hein. Je vais pas vous mentir. Je suis pas trop sûr que ce soit le cas. Après, si vous pensez vraiment que ça peut arriver, toutes ces suggestions est bonne à prendre. Genre en gros, dites-le-moi si c'est le cas. En tout cas, bienvenue à vous. Je vois que vous êtes quelques habitués à rejoindre. Ça fait plaisir de vous voir. Salut Kukimili, salut Christinova, M4X qui est là, Nono, Yocomic, Fire et compagnie. Oh, attendez, hop, je rallume le live. Ok, Frédéric Méline qui est là. On a Dim qui est là également. On a Gaëtan qui est là, on a Fallout qui est là, Valdotin qui est là, Nounours, on a Thunder, Bilel, qu'est-ce que... Il y a Benoît qui est là, comment ça va Benoît? Salut Soso, salut à vous tous, salut Ryan. Alors, avez-vous le skin Black Widow? Est-ce que vous avez le skin vous? C'est une question que je vous pose. Genre direct d'entrée là. Parce que comme ça, au moins, on va partir, voilà, directement, voir le pourcentage de gens qui l'ont, quoi. J'ai beaucoup de noms, tu vois, c'est ça qui est ouf. J'ai beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Et c'est normal, parce que ce skin-là, à l'époque, bah, il était ultra stylé, hein. Pas vous mentir, il était ultra stylé, il est toujours ultra stylé. Maintenant, on n'est vraiment pas nombreux à l'avoir acheté. Et ça fait pas plaisir. Non, 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 non. Moi, je kifferais l'avoir. Ouais, bah moi, je kifferais l'avoir, non pas parce qu'il est rare. Maintenant que c'est vrai qu'il est rare, la prochaine fois qu'il ressort, bah, il est pas rare. Vous voyez ou pas? La logique voudrait que. Mais dès qu'il va sortir, bah, il est pas du tout rare. Mais juste parce qu'il est vraiment super stylé, quoi. Enfin bon, trêve de plaisanterie. C'est parti. J'ai du mal à... Attends. Pourquoi ça me quitte le menu? Regarde, je peux rien faire. Bon, j'ai invité déjà Benoît, ce qui est pas mal. Mais gros, ça me remonte dans le menu. Vas-y, je vais inviter au pif, hein, les gars, je suis désolé. Tiens, DRK, tiens. Les gars, désolé, j'essaie d'inviter les gens, mais ça invite au pif. Vu que ça marche pas. Le hasard fait bien les choses. Oh, le hasard fait bien les choses. Loser, va. Non, je déconne. Comment ça va, les gars, aujourd'hui, en ce samedi Samedi night, comme on dit. Superbe, superbe. On va, les gars. Black Widow, c'est comment là? Tellement t'as pas beaucoup avancé dans les niveaux. Bah non, je joue pas. En fait, je vous ai expliqué, je ne joue pas à la journée.
Voilà. Et par contre, il y a des saisons où je me dis, je vais vous montrer comment. Si on arrive vraiment à faire le niveau 200, ou quel niveau est-ce qu'on aurait vraiment si on joue pas. Bah là, c'est le niveau qu'on a si on joue pas, à part 3 heures le soir. Je joue que 3 heures avec vous, tu vois, donc. Si vous êtes dans le même niveau que moi, c'est que vous jouez à peu près 3 heures par jour. Depuis niveau 200, je joue plus du tout. C'est pas que j'ai pas joué aujourd'hui, mais ça va faire 3 heures que je joue. Bah voilà. 3 petites heures. Après, moi, je fais les 3 heures de live et après, je joue pas, j'ai pas le temps. Je peux me taper une quinzaine d'heures d'affilée, mais là. Avant, je pouvais, hein. Sur Fortnite et tout, En fait, le jeu il est devenu tellement ennuyant que. Le truc, c'est que là, c'est répétitif. Les modes de jeu, ils ont pas arrêté de les mettre. Mais tu sais, il y a le mode de jeu sans construction qui doit venir, non? Bah ouais, c'est un truc que j'ai entendu et qui m'avait un peu excité, mais apparemment, ça traîne un petit peu des pieds, quoi. De toute façon, les modes de jeu, ils ont arrêté, tu sais, de mettre. Comme en saison 6, tu sais, ils mettaient En massif, sniper, tu vois, c'était bien ça. Bah ouais, parce que tu te rappelles, après, en milieu de saison, quand on avait plus trop grand chose à faire, moi, je faisais que des soirées spéciales pour les nouveaux modes de jeu. Ça, c'était stylé, tu vois. Genre, quand on faisait une soirée pompe ou deux, après on faisait de l'or massif, genre pendant 2-3 soirs, après on faisait coup de pompe, après on faisait explosif, après, tu vois, c'était excellent. Parce que là ils ont mis Cited il y a 2 semaines, ok, c'est bien, mais. Voilà. Genre, en fait, un mode que je veux dire, c'est 50-50, mais il viendra pas, quoi. Ah, bah celui-là, il était bien. Et aussi, ce qu'il devrait faire, c'est mettre plus de récompenses. Parce que là, niveau 200, c'est vite fait, hein. Plus de récompenses. Ouais, parce que là, niveau 200, gros, c'est. Saison 1 du chapitre 2, on avait des récompenses plus haut. Ouais, on était à 350. En termes de bannière et tout. Ouais, mais même quand il y avait la banane dorée, bah au moins il fallait être 350. Alors que c'était une saison où il n'y avait pas beaucoup d'XP. Là, il y a des XP pour aller au niveau 1000 et ils mettent rien. Donc. Oui, j'en ai trouvé, mais pas très compréhensible. Mon record de niveau c'était 358 et c'est la saison. La toute première saison du chapitre. Moi je crois que c'est la saison dernière mon record. J'étais à 426, je sais plus d'ailleurs. Parce que c'était possible de tryhard même en faisant du BR et tout. Là cette saison là, même si tu tryhard le BR, c'est moyen. C'est que le créa et tout qui rapporte de l'XP maintenant. Ouais, mais oui, d'où voilà. C'est dommage, hein. Ouais. Bon après vous inquiétez pas les gars, si on fait des retours lobby, on. C'est pas ouf, attends. J'ai failli l'avoir dans le ciel, frère. Bah, en fait, à toutes les saisons, il y a des nouveaux trucs qu'on va débuter. C'est la fin de la En vrai, normalement, la saison 2 elle devrait être bien. Parce qu'en fait, ça va refaire le même principe que la saison 2, chapitre 2. Ouais, il va y avoir un mode ombre fantôme là. Voilà. C'est ce qu'ils avaient annoncé. Ça, pour le coup, ça risque d'être excellent. Qu'ils refassent des boss et des conneries comme ça peut être cool. Parce que les cartes, je kiffais moi là, la grotte, prendre la carte, c'est en mode spooky et tout. Bah là, il y a une grotte qui doit arriver. Ouais, la grotte, elle va être stylée. Hein. Normalement, c'est mardi, je crois. Ouais. Mise à jour, la grotte de Lio, de toute façon. Qu'est-ce que je fais maintenant, les gars? Et le sac à dos, Kubo, en vrai, ça c'est bien. Hein. T'as des roquettes, tellement? Oula, là. Attends, quoi? Je lui ai clairement tiré une balle dans le visage, là. Vous avez entendu parler du. Du sac à dos Colombo. Ah ouais, c'est un mec, il avait fait un concept avec tout plein de versions, là. Ouais, franchement, il est stylé. Ouais, c'est vrai. T'as du sang dans le blanc, Telmo? Non, mais le mec, il en a droppé, je crois. Tiens, il y a des pizzas. Attends, j'ai un kit, tranquille. Faut juste que j'ai le temps de me le mettre. Essaye de le tempo, le mec. Je crois que c'est le dernier. Ouais, style. Tranquille. Mec, on a vu ton visage quand même là. Juste pas, il y a un mec avec un pompe qui a déjà qui l'a. C'est quoi ça? Ah, c'est 50 max, c'est vrai. Je rate la tête, c'est tout. Voilà, faut pas s'étonner. Hein. Gros, par contre, un truc, c'est que je comprends pas, c'est que je rate une tête, après je veux tirer, ça tire pas. Mon pompe, il a mis presque le double du temps du mec à tirer. J'ai plus de balle. Faudrait que j'ai re-regardé le live, parce que le live, il est en décalé. J'ai deux lives exprès, avec chacun 5 secondes de décalé pour que j'ai le temps de revoir deux fois les actions. À un moment donné, je tire mon premier coup de pompe après le sien. Mais pendant
que j'attends pour tirer à nouveau, il a retiré avant moi avec son pompe. Et mon pompe, il tirait pas. Putain, j'ai un problème de pompe ou quoi, frère? Mais en fait, le pompe, il a un problème, je sais pas. C'est bah, c'est surtout que j'ai vraiment tiré après lui, donc je suis censé... Enfin, j'ai tiré avant lui et lui, il tire. Donc je suis censé retirer avant lui et après lui, il tire. Et bah non, moi, je regarde, le pompe, il tire pas, et je suis en train de spammer ma touche, et il me retire dedans, et mon pompe, il tire après. Ah. Je sais pas, gros. Je dis pas que j'ai raté, de toute façon, mes balles, y a pas de problème, mais... Bizarre. Très, très bizarre. Putain, y'a combien de requins cœur là? Bonne question, Michel. Putain, j'avais ma peine bleue était déchargée, mon truc était déchargé. Bon, moi j'ai quand même mis un bon petit coup de snipe dans la teuté d'un mec. À partir de là. Salut tous ceux qui viennent d'arriver, merci à vous d'être là. Salut Clément, comment va-t-il? Comment va-t-il le Clément? En soi, je suis toujours modo. Modo. Putain, c'est tombé. Sub. Je suis modo. Ah, t'es peut-être modo, hein, moi. Par contre, je suis pas au courant. Non, je suis pas modo, mais. Ça va, Kiryu? Bon, bah ouais, t'es toujours sub, ouais. Elle est au sort, Black Widow. Elle est au sort. Elle est au soir. Elle est... J'ai pas compris la question, Michel. Un réhausseur, peut-être, non? Au store. Elle est au soir. Non, store, je pense qu'il va y mettre. Imagine, il refroid une boutique encore pas vue depuis un an, peut-être qu'elle ressortira. Et bah ouais, un an et plus peut-être, il peut faire un an et plus, ça serait sympa. Mais moi en vrai j'ai le réflexe, tu vois, j'en profite, j'en ai assez profité, j'ai envie de dire. Je serais un peu tristounet, tu vois, parce que bah c'est mon skin le plus rare et il y a très peu de gens qui l'ont, quoi, tu vois, y a pas de problème. Mais voilà, s'il ressort, je suis très content quand même, tu vois. Oui, les gens ils sont contents et... Après, et moi je sais que c'est pas un truc... Les gens ils vont l'acheter parce qu'il est rare le truc. Mais moi la différence c'est que je l'avais acheté parce que je l'avais kiffé, tu vois. C'est ça la différence. Voilà, c'est ça. Mais en fait là si les gens l'achètent, ça sera plus rare. Voilà, mais même s'il sort une fois, il suffit qu'il sorte une fois, vous savez, hein. Ils vont le sortir une fois, à partir de là, ils vont le sortir tous les trois jours. C'est comme Zaza, hein. C'est ça. Bonsoir. Zaza, je l'ai acheté en saison 4, c'est pas ouf. Pompe violet. Après c'est pas grave, tu vois. Bah ouais. On sort toutes les semaines. C'est pour ça, moi, ça me dérange pas qu'ils ressortent et tout. Je suis pas comme... Il y en a certains, genre dans les boutiques, j'ai déjà vu. Ils arrêtent de jouer, après ils viennent sur les commentaires et tout. Bon, après, vous le voyez pas, mais dans l'espace commentaire, parfois, on dirait, gros, il y a des membres de leur famille, ils ont eu des problèmes de santé, quoi. Genre, ils sont là, gros. Ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais envoyer des messages de haine à Epic. Ouais, je vais... Gros, avec des insultes et tout. Et je dis, ouais, mais... Gros, c'est un skin qui est sorti, tu l'avais, tu l'as... Bah, tu l'as toujours. C'est enfin... Maintenant, d'autres gens l'ont aussi, ça change quoi, frère? Enfin, c'est une boutique. Une boutique, ça a jamais été censé être rare ou pas rare. C'est tu l'achètes ou tu l'achètes pas parce que tu l'as aimé ou pas. Moi, c'est ça la diff. J'avais aimé ce skin, je l'ai acheté. Bah, il s'est avéré que c'est le skin le plus rare de mon casier, quoi. Point. Ouais. Après, c'est comme si que là, t'as fait une vidéo il y a je sais plus combien de temps sur la Renegade. Moi, je pense pas. Moi, c'est quoi? Il y a eu des soupçons, mais en même temps, je pense pas, tu vois. Je pense pas. Mais si ça sort, écoute, je vais pas. D'ailleurs, moi, je vais peut-être pas faire le mec. Quand la Recon elle est sortie, j'ai pas raconté de mytho. Pour moi, la Recon, c'est pas mon skin préféré, quoi. Ils l'ont sorti comme ça à 15h, c'est quoi ça? Ouais. Mais par contre, voilà, c'est pas mon skin préféré. Quand elle est sortie, moi, j'avais pas la hype, voilà, et je la joue pas, tu vois. Mais pour les gens, ils étaient là, genre, oh yes, c'est mon skin préféré. Non, gros, non. C'est juste qu'elle était rare et vous l'avez tous acheté pour rien. C'est pas. La Renegade elle sort. En vrai, à force de, c'est ce que je disais aux gens, à force de l'avoir partout, en feu, en glace, en machin, bah maintenant je m'en fous un peu de la Renegade, tu vois. Même si elle est super mignonne en version de base, parce que j'aime bien la version basique, elle est belle, tu vois. La version aussi à carreaux, là. Ouais, à carreaux, bah ça va, maintenant, bah j'en ai tellement vu des demi-Renegade, des Renegade je sais pas quoi, et ça, qu'au bout d'un moment j'en ai un peu ras le cul, quoi. Ouais. Salut Taken, merci à toi pour les subs 3 mois maintenant, Taken, merci beaucoup. Hop là, max de cœur. Tu vois, ce qui tue un peu le jeu, c'est les gens qui vont au serveur privé et tout. Bah ouais, c'est ça. Et même maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien de si rare que ça. Tu ramènes un compte sur mobile, tu peux mettre le skin que tu veux sur le compte, tu peux mettre le niveau que tu veux sur le compte. Genre, tu peux mettre niveau 9999, par exemple. Sur mobile, on peut faire ça. Ouais, c'est ça, sur mobile, ouais. Donc du coup, est-ce que tu te rends compte à quel point ça... Si t'avais vu ça en l'année 1 de Fortnite, les gens ils en auraient fait des vidéos, t'aurais été la star, gros, t'aurais été une star mondiale parce que t'avais un compte, waouh, qu'il y a des skins, des trucs de ouf. Mais en fait, aujourd'hui c'est tellement commun que tout le monde s'en bat les steaks.
C'est, voilà. Et eux, ils ont laissé le jeu aller dans un rythme tellement comme ça que ça va dénaturer le jeu, je pense, hein, s'ils font pas quelque chose. C'est parti dans un rythme toxique. Même pour le système de l'XP, est-ce que tu crois que les gens ils jouent au jeu maintenant pour avoir des objectifs? Non, ils jouent parce qu'ils ont 2-3 potes et d'un coup ils ont plus rien à faire parce que ils s'en foutent de faire des défis. Ils se cassent. Donc après, ils ont cassé leur jeu. Au lieu de vraiment jouer, ils vont rejouer d'XP, ça, c'est quoi, hein. C'est ça, ils ont cassé le game eux-mêmes parce que c'est eux qui permettent ça, donc je sais pas. Hein. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça, avec des XP, c'est pas ouf. C'est. Ceux qui font ça et tout, y a pas de. Comment dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent, ils peuvent rien dire. Ils peuvent rien dire les autres parce que c'est permis. Epic, ils peuvent rien dire parce que c'est eux qui ont fait ça. Ouais, et nous on est là, tu sais, moi regarde, je suis niveau 186. Les gens ils me disent 186, t'es... ouais, mais moi j'ai joué 3 heures avec mes abonnés, j'ai rien fait d'autre de ma. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas. Même moi, si j'avais joué vite fait plus, si j'avais joué un petit peu plus, je serais comme toi. Mais je joue pas du tout en fait. Je joue pas du tout. Genre, je fais que les soirées live et voilà quoi. Emily, les gars, qui nous envoie 2€ avec le plus beau des messages, les gars, qu'on pouvait espérer de la team. Merci aux donateurs, à la chaîne et aux abonnés. Et surtout, c'est ça. Merci à vous tous, chaque personne qui est là. Chaque personne, d'ailleurs, qui parle pas sur le live. Mais je sais que vous êtes là parce que vous regardez sur la Switch ou vous regardez sur la télé. Vous pouvez pas lâcher de commentaires ou quoi. Merci à vous tous infiniment. Chaque personne est ultra importante. Et vous êtes au top. Merci beaucoup à tous. Et si à la Black Widow, je fais que la jouer. Alors... C'est l'anniversaire des 1000 jours de Black Widow. Hein. C'est pas Black Widow qui va débarquer dans un gâteau d'anniversaire. Genre, notez-le bien, les gars. C'est pas un titre où j'ai dit il y a la Black Widow. Hein. J'ai dit on fête les 1000 jours sans Black Widow. C'est. Il y a rien de bizarre. Ah, ça fait déjà 1000 jours qu'il y a eu le tournoi saison 4. Bah ouais, ça fait déjà 1000 jours. À part la Renegade en soi, c'est quoi. À part la Renegade, c'est le chef de. Le militaire là, qui a un petit béret sur la tête, c'est le skin le plus rare sur Fortnite. Ensuite, le deuxième c'est le mien, c'est le réflexe, et le troisième c'est Black Widow. Après, il y a le mec de la Renegade. Le mec de la Renegade, c'est pareil, c'est comme la Renegade, c'est juste qu'il est encore plus rare, je trouve, parce que personne l'avait vraiment acheté. Les gars, t'en as d'adilité donc. J'avoue, elle est en train de tout démonter, frère. Il y a des mecs qui spawnent là à droite là. Ouais, là-bas. Ouais. S'ils sont arrêtés, je peux les sniper. Là en bas. Des frappes. Non, même pas, putain. J'ai les gars venant de ça. Ah, c'est j'ai pas de bulle. Bien, wesh, Benoît. Touché. Mort. Là, c'est le mec. Tiens, prends la couronne. Ça chauffe, Benoît, ça chauffe. Faites gaffe à droite aussi, là-bas. Attends, là-bas. À travers l'arbre, ça peut toujours marcher. Il est sur l'arbre, le Michel. Mais attends, en vrai, elle est pas hyper puissante. Quand elle joue, ouais, moi je trouve ça marrant. C'est une petite interaction dans le jeu. Ouais, quad. Je vais rajouter un petit truc. Wow. Cassé. Quand tu vois, moi je trouve qu'en vrai avec les quads maintenant, ça fait comme des trucs de super. Je vais spam toute ma live, gros. Voilà. Moi enfin, je trouve que la barrette a beaucoup trop de. Ah ouais? Ouais, les gars, ça arrive sur les côtés. Fais gaffe, Benoît! J'ai plus de construit. Track mort. Yes, il est trop bête. Il est où? Là. J'ai plus de construit, gros! J'ai plus de construit, je suis que obligé de faire ça, frère. Et par contre, il est en PLS, hein. T'en as un deuxième, moi, et t'en as d'autres qui arrivent. Oh. Ah, c'est dommage, frère, à la base, comme d'hab, quoi. À la base, comme d'hab. On se bat contre une équipe. GG. Regarde, t'as une autre équipe qui le bug, gros. Ah, chiant. Attends, grand. T'arrêtes. Ouais, fais gaffe. Là, il va. Attends, je le bloque. Yes, cher.
Il s'est pris une balle. T'as un autre mec encore. Ouais, j'ai vu. T'as des pizzas ici, gros. En fait, t'as une pizza là-dedans. Je crois, là. Problème au pire. Renferme, renferme. C'est dangereux. Vas-y, c'est dangereux, mais t'as vu, il est chaud. Je crois qu'avec l'équipe qu'on a fait ensemble la dernière fois. Il y a des kits là, juste là. C'est quoi, regarde, pizza. Full vie, full truc, mec. Bah, tu sais quoi, j'ai déjà ça. Putain, ça arrive encore. Tu veux pas le kit? Non, vas-y. Mais je suis fou, j'ai pris deux pizzas là et. Tiens, il y a encore des pizzas ici. Hein. Okay. Eh, prends la PM, ça peut servir. Mais j'ai une PM bleue. Moi, je parle à des RK. Tu veux pas griller les pizzas ici, gros? Voilà. Vas-y, on va prendre la. Les pizzas, c'est des mini potes quoi, un peu plus petites. Parce que ça donne du normal. J'ai toujours pas de construit, frère. D'où le mal? Elle est là. Oh non. Ah ouais, ton viseur il est parti. Oui, totalement. Je peux te rassurer. Fais gaffe de pas te faire sniper par l'autre. Oui! Oh, c'est quoi lui? Il était accroupi. Il y en a un autre. En fait, oui, il y a deux teams. J'ai un HP. Oh non, toi et moi, il a 9 HP, les gars. Un peu moins. Ce groupe, il est horrible, je jure. Il a mis 80 dans le blanc. Mais ouais. Il s'est barré, attends, il s'est barré, vas-y, tu sais quoi. Parce que j'ai pas de construit, gros. Sur un malentendu, je me prends une gifle. Il a pris 91 blancs, le mec. La chance. Parce que, en fait, c'est ça, c'est que je commence à le chasser. Il y a une deuxième équipe, je suis mort. J'ai pas de construit. Maintenant, j'ai de la construit parce que tu m'en passes, tu vois. Mais après, ça peut vite tourner au vinaigre, tu vois. Tiens. Moi, c'est les balles que j'ai pris, tu vois. Bah, tiens, les balles. Bah, non, j'allais dire, tiens. Gros, j'ai 30 balles d'air et 10 balles de pompe. Le mec que t'as tué là, il est où? Il s'est barré. Ouais, mais il est vivant encore. Enfin, il est vivant, il est. Bah, en dessous de la colline. Il est là. Tellement, si tu veux, DRK, il a des balles d'air. Ouais, termine. Gros, c'est ça qu'il avait? Ah, c'est ton kill, ça? Bah, c'était ton kill. Attends, ouais, mais c'est une balle. J'ai des balles, vite, tiens, derrière. Non, enfin, un peu de tout, d'ailleurs. Il en a déjà. Ouais, j'ai 400. Ouais, j'avais 400 et tout, donc je m'en fous, tu vois, c'est pour ça. Yeah. Merci. Non, reprends. Il en a plein. Il en a quasiment autant que toi. Vas-y, Telmo. Allez, spam. Et on a pas le time. J'ai 3 medkits. J'ai 3 medkits, prends le medibroom si tu veux. Ah, tiens. Putain, attends, il y en a un deuxième. Il est à 150. Ça va être chaud. Ok, les guys. Allez, on s'en sort bien là. Ça va. Tiens. Merci à vous d'être là, les gars. C'est parti pour les likes là, let's go. Quelle voix du chute, ça. Après, on a l'area devant nous, donc en vrai. On est pas dégueu, les gars. Si tu un par un, après, ça va être deux par deux, ça. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Gros, je suis en course auto, mais je regarde le live et je me prends tous les petits obstacles qu'il y a, gros. Vas-y, là, c'est bon, là, tu peux course auto, vas-y, course auto. Ah, tiens, un port. Un porc, il a dit. C'est quoi, je vais aller me poriser tout ça. Ça m'économisera des médibrumes. Et que champignonner. Enfin, économiser des médibrumes, bon, la zone elle commence à me cravacher le dos, quoi, tu vois. En vrai, mais tu peux graver juste le kit et garder les médibrumes. C'est ça. What, ouais. Attends, tu prends, il y a ça, regarde. Il y a ça ici, c'est beaucoup plus rapide que de me mettre kit là. Ah ouais, ça. Oh, ouais. Et. Maintenant, oui, maintenant faut trouver du shield. Ouais. Like the move, it move. Bon, on va surtout aller à l'area voir ce qui se passe. Et re-rea, tu vois. Oh ouais, c'est d'ailleurs. Fais gaffe. Ok, y a des mecs. Ils sont là-bas. Ouais, il était là. Il était là. Ouais, j'ai vu. Ah, regarde la voiture là. Y'a pas un autre bus? Sinon, on pouvait aller au bus par bus là. Wow. Quoi, gros? Attends, il se la prend pas et moi je me la prends alors que j'ai des cales derrière l'arbre. La blague, gros, la blague. Son côté. Là. Ouais, frère, allez, je te couvre. On shoot. Fais gaffe à derrière, t'es le mot, ça pourrait te prendre. Sur le côté là.
Bon. Ah. Super. On part derrière. Encore deux teams. Hein. Ah non, c'est. Je peux pas construire, gros. Vas-y, je peux pas construire, ça me saoule. Là où je suis, là où j'étais, du coup, il y a du. J'ai pas construit. 50, 30. Plus de construit. Ciao. Oh non. Non, bah, ça sert à rien, gros. Ça sert à rien, ils trushent comme des gros malades. On dirait ils ont la dalle, c'est des clébards et t'as un morceau de viande. Donc, vas-y. Ouais, tu fais quoi? Tu fais toutes les émotes que t'as, frère? Ouais, il a un problème, lui. Attends, me dis pas que t'as mis ton truc couronnement parce que t'as 3 victoires là? Il a 3. Mais gros, attends, juste un truc. Gros, t'as fait ça. Non, mais il pue de la gueule. Qu'est-ce qu'il nous fait là, gros? Ça, c'est un joueur créatif, ça se voit. Putain, les gars. Deux courants de kilab, mais c'est clairement un joueur créatif, le mec. Bon, les gars, au moins, je suis content que le mec il ait fait de la merde comme ça. Au moins, ça me fait marrer. Putain, gros. On a Émilie, les gars, qui nous envoie 2 euros et nous dit tel mot. Accepterais-tu un défi de mon fils? Facile. Attention, parce que Émilie, quand elle dit le mot facile, tu vois, il y a embrouille. Vas-y, j'attends avec impatience, Émilie. Franchement, accepter, tu vois, j'accepte, il n'y a aucun problème, avec plaisir même. Maintenant, facile. Ah, c'est relatif. Facile, c'est relatif avec toi, Émilie. Surtout avec ton fils. Maintenant, je sais pas quel est le degré de méchanceté de ton fils, tu vois. Mais connaissant la mère. Faire topa en restant dans une voiture. J'attends le défi. Sinon, Skybuzz. J'attends, vas-y, tu sais quoi, envoie Emily. Imagine faire topa en restant dans une voiture. En restant dans une voiture en Skybuzz. Plus. Avec 1000 kills, tu sais. 100 kills et toi. T'imagines là, Emily. C'est un peu compliqué, tu vois. Non, c'est de mon fils. Attends, trop simple, là, j'y suis pour rien. C'est un amour, lui. Ah ouais? Alors attends, c'est vraiment trop simple. Attends, bah avec plaisir du coup. Bon, tu peux économiser tes kills dans la tente et prochain game tu reprends. T'imagines? Ouais. Bah en tout cas les gars, écoutez, bah je vais devoir changer d'équipe parce qu'on a fait 2 parties quand même. Malheureusement, ouais. C'était intéressant. Même si ça tryhard leur viande hachée, quoi, c'est normal. Ouais, c'est ça. Hein. Et je vous retrouve peut-être après si je vois que ça faiblit niveau invitation. Sinon, bah merci à vous d'être passés, les gars. C'est parti. Bah je sais pas. En fait, je l'ai fait plus à cause du bug audio, tu vois. Ouais. Parce que en fait, on s'entend plus quand on est plus de 4. Et du coup, pas entendre les gens, ça me fait chier, tu vois. Ouais, je vois. Genre, t'imagines, genre j'invite, on est 4, on se parle, mais quand j'invite un cinquième, bah, personne s'entend. Même du coup, bah à 16, bah on s'entend à moitié. Du coup, on pose des questions, ouais. Les gens ils répondent pas. Après, on me pose des questions, mais moi je les entends pas. Du coup, c'est trop bizarre. Ouais, je vois. C'est pour ça. Donc, jusqu'à ce qu'il règle le problème, j'hésite à en faire, tu vois. Okay, donc, tiens, on se quitte avec un petit disque. Merci les gars, et à tout à l'heure. Let's go. C'est parti, Sparks, Benoît. Hey, Eric. C'était Ferdinand ou je sais plus qui était là. C'est Benoît. Les gars, c'est parti. Ah tiens, il y a Tommy qui est là. Non. Il y a Tommy qui est là. Alors, il y a Punisher et je crois que Punisher, lui, il a la Black Widow. Mm-hmm. Sauf que j'arrive pas à vous inviter. J'arrive pas à vous inviter. Il y a Sénégal qui est là. C'est parce quoi ? Bah, j'ai toutes les demandes, mais toutes les demandes elles sont en blanc. Genre, il n'y a pas d'option ni d'accepter, ni de refuser, ni rien. Okay. Salut Michel. Comment vas-tu, Sénégal ? Bien. Comment ça va, mon Kiryu ? Bah, moi ça va. Et toi ? Comment docteur ? Bah, nickel. Nickel. En fait, je me suis trompé là, Fasheur, Licorne et tout. J'ai cru que c'était des invitations. En fait, vous étiez juste dans ma liste d'amis et j'avais mal fait ma liste. Désolé. Ah, ok. Ouais, j'avais complètement bugué. C'est parti du coup, Flavien, Sénégal et Kiryu. Les guys, on se concentre. On a un défi de la part d'Emily. Skin aléatoire. Attendez, skin aléatoire. Suivant la couleur du skin, c'est pour le stuff. Pas de soins, pas de potes et pas le droit de nourrir le dino. Ah ouais ? Donc du coup, je mets un skin aléatoire.
suivant le skin aléatoire, j'ai le droit à du stuff de la couleur, et je peux pas me soigner, et je peux pas me pote. Ok, vas-y. Ouh, bleu. C'est un skin aléatoire, que voici. De rareté bleue, c'est le skin PS Plus. Exactement, monsieur dame. Donc nous allons sur un skin bleu, donc rareté bleue. Défi accepté. Banks. Emily et notre ami Emily Junior, je vais pas. On va pas parler de prénom, bien sûr. T'inquiète. Le défi est accepté. Est-ce que vous avez chaud? Parce que moi j'ai chaud là. Bah ben moi t'es moi j'ai chaud parce que le plan du bouffon vert il est trop stylé. Ah. Monsieur kiffe le bouffon vert. Non, pas le skin, le planeur. La pose du gars, quoi. Non, enfin, franchement, c'est l'animation que j'aime bien. En plus, il est petit, il est pas énorme, c'est pas mal. Hein. C'est vrai. Après, j'aurais aimé qu'ils nous mettent le bouffon vert du film, mais c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Donc, les gars, j'ai pas le droit de soin. J'ai pas le droit de potion. J'ai le droit au stuff bleu. C'est pas mal, le stuff bleu, c'est pas mal. Je vais pas me plaindre. Regarde. 95 top 1 couronné pour Kiryu. J'ai plutôt 3 chiffres, moi je serais content. C'est bientôt. 95. Ouais. Pas mal du tout. Parce que j'ai vu pour les modes ils ont mis un jeu pour les accélérer. Pour accélérer parce que ça met du temps des fois pour charger. Ouais, maintenant ils ont accéléré ça. Vous voulez aller où les gars, du coup? Ah, tu t'aides? Bah vas-y, hein, écoute. Okay. Vous voulez, hein. Moi, j'ai mon défi. J'ai des saucisses au pied, d'ailleurs, parce que je suis en ski en truc aléatoire, j'ai des saucisses. Mais moi, j'aurais bien aimé aller voir Greg. Ah ouais. Vas-y, va le voir. Est-ce que Emily a un feu de camp, c'est du soin? Oui, mais je veux dire, c'est un soin ou pas, Emily? Pad. Tu vois ce monde à Tilted? Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de monde. C'est la seule game où tu choisis d'aller à Tilted où il y a du monde. Oh bah je voilà. Vais coller, en fait, ok, j'ai un Mark 7 bleu. Bah, chanceux. Direct le premier coffre marque 7 bleus. Par contre, il y a des bleuvages. J'ai pas le droit au bleuvage. Mais moi, le temps, j'arrive. J'ai pas le droit aux grenades, du coup. Oh non. Des armes explosives ? Bah, c'est du. C'est pas bleu, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, je peux pas utiliser ni les pads, ni les trucs alors ? Attends, viens, tiens, Kiryu, tiens. Parce que du coup, je peux pas ça, ni ça. Attends. Je peux pas ça non plus du coup. Moi je suis full gris. Y'a mec. Ouais mais attends deux secondes là, parce qu'il fait le malin ton fils. Mais il me dit pas le droit aux soins, mais il me dit aux trucs bleus. Les trucs bleus, y'a des tentes dans les trucs bleus. Les trucs bleus c'est des tentes, j'ai le droit d'utiliser une tente, c'est un truc bleu. Hé hey. Moi ça monte. 3. Crac. 22. J'en ai tué un. Attends, y'en a encore un quatrième qui arrive là, gros. Ouais, alerte générale, gros. Attends, oh. J'ai l'impression que c'est un peu bizarre là, le fait qu'ils montent tous les quatre au même endroit, tu vois. Moi, je te dis, un peu trop bizarre là, cette histoire. Je suis dégoûté, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est, ouais. Bah, j'ai beau spam avec mon Mark 7, tu peux rien faire. Ah, Demo, t'as un skin de rareté d'ici. Du coup, j'ai un skin de rareté d'ici, les gars, on fait comment? On dit que c'est quelle couleur le skin d'ici? Ça se rapproche plus du bleu ou du couleur violette là? C'est d'une couleur assez sombre. C'est quoi le prix d'ici? C'est 1005? Ouais. Bon bah ça va être épique alors. La plus claire, Clément, les skins de collaboration sont toujours à 1005. Ouais, c'est ça. Donc c'est mythique légendaire. On fait comment, Emily là? Eh, hey, Miloche. Allez, j'attends le verdict. Et bleu et ou violette? Violette, elle a dit du coup, violette. Bon bah voilà. Et Miloche est ton. Et Miloche le junior. Je pense que là il est content parce que du coup en couleur violette, bah y'a pas de. Comment dire.
il n'y a pas de tente, tu vois. Du coup, je peux plus me soigner. Mais du coup, t'as le droit au fade. En fait, est-ce que je... Bah, du coup, c'est simple. La consigne, c'est pas de soins, pas de shield. Point. Le reste, de couleur violette, je peux utiliser. Donc, si je peux pas me soigner, point, ça s'arrête là. Donc, même si c'est couleur violette, bah... Voilà, quoi. Voilà, le pad, là, maintenant, c'est couleur violette, donc je peux. Les bleuvageons, c'est violet, mais je peux pas, parce que, bah, c'est du soin. Et on va juste bloquer sur le soin interdit, bouclier interdit. J'ai quelque chose, il faut... Y'a que toi qui peux utiliser du bouclier, ou nous, on peut te balancer... Non, moi, c'est... Bah, à la base, non, mais... Si sans faire exprès, on est en pleine fight et qu'il y a un... Après, si on marche dans la rue et que vous me splashez, ça, c'est un peu trop cheat, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, s'il y a des boucs dans la rue et qu'on est en train de se shielder à côté de moi sans faire exprès, bah c'est pas grave. Du coup, je vais bien me coller à vous, là. Je déconne, bien sûr, je déconne. J'ai mal à une machine, putain, je dirais qu'il veut... Qui veut sortir ses griffes et te griffer dans les airs. Hop. Salut Romain. Bienvenue à toi. Pour jouer avec moi les gars, faut que vous m'ajoutiez Telmotir Lopez. Les ajouts c'est tous les vendredis, je suis désolé. C'est pour faire une rotation des abonnés parce que j'ai déjà plus de 1000 abonnés en liste d'amis et je peux pas accepter tout le monde. Ça va Zekrom ou pas? Est-ce qu'il y a un grain dans les barrages? Benoît il dit quoi Benoît? Les pizzas c'est... Ah ouais pff, les boîtes de pizza, tant que... Ouais mais le problème c'est qu'il m'a dit pas de soins, pas de chill, moi je voulais m'arrêter là, tu vois. J'ai pas envie de... La consigne, il faut pas se shielder, quoi. Et pas se soigner, donc j'ai pas envie de... D'abuser, tu vois. Il marque le bleu ici. Avant ça, t'es moi. Je vais descendre vers vous. Faudrait peut-être que je rentre là-dedans. Ah! Ça ne me fait rentrer nulle part. Mais c'est cette montagne, elle est perdue, frère. Elle est au milieu de nulle part. Ouais, j'ai voulu descendre trois fois, les trois fois, il y a... Après, les pizzas, c'est bleu, mais quand elles sont par terre dans la boîte de pizza, elle est encore violette. Hein. Donc... Non, c'est la boîte qui veut être et les pizzas qui sont bleues. Ouais, mais tant que tu les as pas enlevées de la boîte, moi elles sont dans la boîte, c'est de couleur violette. Il faut être intelligent, mais après c'est vrai que je peux en manger que deux et après c'est fini quoi, donc bon. Alors, apparemment, j'ai question, est-ce que t'as droit aussi aux armes mythiques? Bah non, c'est pas, c'est pas épique. Ben non, mais y'a pas de skin de rareté mythique. Ouais, mais c'est pour ça le problème. C'est que. Je peux pas, du coup je peux pas. Mais je vais essayer de chercher des armes mythiques. Oh bah j'ai un pad pour toi. Allez, je vais descendre voir si je trouve une arme quand même. Parce qu'en attendant... Attends, et vous avez juste un truc les gars, juste un truc. Oh my God. Quel est le degré de chance? Je vais vous poser une question. Hein. Quel est le degré de chance que j'ai mis à un combo totalement aléatoire et que j'ai la pioche de Batman avec le Batman? Sur à peu près 4600 objets que j'ai dans mon casier. Hein. Et à quel point c'est rare que ça arrive? Si j'avais un ton casier, je suis mort de rire. Hein. C'est rare gros, c'est bizarre. Je viens de m'en rendre compte que je tapais avec les trucs qui vont avec. J'aurais une question. Dis-moi. Pour la part de ton cachet V-Buck, tu l'as calculé avec une calculatrice ou avec ta tête? Non, avec une calculatrice. Non, j'ai fait... tu sais quoi, à la base, pas tout ce que j'ai vaut des V-Bucks, tu vois ce que je veux dire? Ouais, y'a pas qu'un euro, mais t'as calculé un... Et j'ai calculé par moyenne de... J'ai fait une moyenne de ce qu'ils considèrent comme le total et la valeur des skins. Et j'ai fait pareil, entre ce qui vaut de l'argent et ce qui vaut pas d'argent, la valeur, on va dire, totale, quoi, tu vois. J'ai fait une moyenne de tout, tu vois, en général. Mais il y en a, ouais, il y en a vraiment pour un sacré chiffre. Hein. J'ai vu ton chiffre, j'étais mort de rire, quoi. J'étais en train de me taper des barres. Ah non, mais c'était incroyable. Moi, j'ai commencé à me dire, ouais, ça fait beaucoup, quand même. T'as un casier énorme, quoi.
Et ouais, non, mais il y a certains trucs, je savais pas que j'étais aussi proche d'avoir la totalité. Il y a deux trucs où je croyais que j'étais un peu plus proche. Bah, Zekrom, pourquoi j'ai mis la Minia Black Widow? Est-ce que t'as lu le titre? Et est-ce que t'as lu la Minia, du coup? C'est un cac argent. C'est Fasher, j'avais invité par erreur tout à l'heure. Oh, Fashoot, qu'est-ce qu'il veut? Fashoot, il est venu sans un cas d'accès. Bah, j'avais. En fait, tout à l'heure, j'ai cru qu'il m'avait fait des demandes d'accès. Et en fait, ils m'avaient rien fait du tout. C'est moi qui étais dans la mauvaise ligne du truc. Ils étaient en train de jouer tranquille. Et je les avais invités. C'est pour ça, si tu les avais invités, que tu fais comme tu veux, moi. Ah merde! Ah, c'est dommage ça. Mais c'est Chrome, mais t'as. Pourquoi? Attends, mais gros, bah parce que ça fait 1000 jours et que je me suis dit, bah c'est stylé, on va parler Black Widow et tout ça. Genre, j'ai fait le titre parce que c'est la chose qui a été le plus relayée d'ailleurs dans la journée, un peu partout sur les réseaux, c'est Black Widow, 1000 jours, Black Widow, Black Widow, Black Widow, 1000 jours. Donc j'ai. Et ça fait 1000 jours, donc c'est pas tous les jours qu'un skin fait 1000 jours d'absence. Donc j'ai décidé d'en faire l'axe central de ma chaîne pour ce live-ci, tu vois. Ouais, donc c'est pas un truc genre il y a pas Black Widow ou j'en sais juste ouais. Non, mais tout le monde croit que ouais elle fait 1000 jours, elle va en sortir peut-être maintenant demain, mais elle a jamais été mise à jour par la nouvelle boutique, donc c'est pas possible. Mais je sais que tu l'as Zekrom, même en début de live, si t'avais été là vite fait plus tôt, j'ai dit que t'étais l'un des seuls que je connaissais avec le skin d'ailleurs et que du coup j'allais voir si t'allais jouer avec ce soir et tout. Ouais, mais je sais pas ce que t'as pas compris en fait, c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas ce que tu comprends pas. Je crois qu'il a pas compris, il dit ouais, pourquoi il avait mis de Black Widow, qu'il a pas vu qu'il y avait... La Black Widow, j'ai le droit, on va dire, admettons, de faire un live en sujet principal Black Widow. Les gars, il y a un corbeau mythique qui se casse là, enfin épique là, légendaire, je sais pas quoi. Ah ouais. Il a bizarrement fui. Oh, il y a la zone. Ouais les gars, j'ai commencé littéralement à me barrer. Ben moi ce qui me fait peur c'est que... J'ai ouvert un coffre, j'ai eu 15 bandes légendaires. Ah. Pour toi. Moi j'ai pour l'instant aucune arme légendaire. Enfin épique, j'ai une pizza. Ça fait plaisir. Et je crois que t'as ping un sniper si je me trompe pas. Ouais mais j'avais pas vu, je viens de m'en rappeler que tu m'avais parlé de ça en début mais j'avais pas... Je l'ai pas vu en fait. Salut Jason, ça va ou quoi? Ouais, pour ça, j'avance, je loue. Quand même, la dernière fois, en parlant de skins rares, j'étais avec Fasher et Zekrom. Et on avait les trois skins les plus rares du jeu dans le lobby. On avait le Force Spécial, c'est Fasher qui l'a, c'est le skin le plus rare du jeu non boutique saisonnière. Putain gros, il y a un corbeau, y a un putain de corbeau épique gros. Mais il se casse putain, mais non, vite vite vite, tue-le frère. C'est mégal, lève les yeux. Tue-le, on l'est, il est mort, il est disparu. Frère, gros, c'était ma première arme. me soigne pas, gros. J'ai pas le droit aux soins. Témo, je loot pour trouver une arme épique, mais je trouve que des bleus, des vertes et des grises. Ah ouais. Bah vas-y Thomas, tu peux jouer dans 15 minutes. Et du coup, je disais, ouais, Fasher, il a le skin le plus rare hors boutique saisonnière, qui est à plus de 1100 et quelques jours, là, bizarre. Moi, j'ai le réflexe qui est à 1100 bientôt, maintenant. Et il y a Zekrom qui a la Black Widow, pour le coup, qui a dépassé les 1000 jours aujourd'hui. Donc, quand on joue ensemble, c'est assez bizarre de faire... la section est assez stack, comme on dit. Frère... Il y a un top, Peut-être qu'il a des armes épiques. Non, il a rien d'épique. C'était un bot. Ah, tu peux... Ah, ok. Emily dit que je peux me faire soigner par mes équipiers. Ordre de d'Emily Junior. Ok, bah... Ok. Soyez tel mot. À part Punisher, je crois pas, Zekrom. Il y a que Punisher... Il y a un corbeau légendaire encore, les gars. Alerte. Ouais. Attends, ça rétablit. Putain, y'a encore. Mais gros! Le deuxième truc épique que je trouve, c'est une pizza! C'est encore une pizza, j'ai deux pizzas, gros! Et tu passes sur deux ou sur le même casque ou pas? Non, ça stack à côté. Ah, bah. Mais t'es moi, il va pas, t'es fou! Et moi, j'y vais au camion, gros! Mais mec, je rentre dedans au camtar, hein! Mec, tu vas pas les one-shot, je sais tout de suite. La seule arme que j'ai, c'est un. Ok, ils sont au fond.
dans le buisson, derrière le buisson, en train de partir. 60. 60. Hop là. J'en tue un, frère. Ah, tout le monde me tire dedans. Mais quoi, gros? Comment c'est possible qu'il m'ait tué, gros? Je suis du côté gauche du camion, c'est une blague, gros. Allez, sérieux, sérieux, ce jeu, c'est une blague. Gros, je tourne à gauche, on me voit pas, gros. On peut pas me tirer dedans. Mais mec, le gars, il avait 30 pour il avait 30 aïe, il avait aucun propos. Il a plus sur les... Ce jeu, il est de plus en plus bien codé et tout, qu'est-ce que j'adore, gros. La blague, elle est... Ce qui fait rire, c'est que t'as un mec, il me spam, il me met... il me fait pas son shield. Il switch d'arme, il a une autre PM. Il me met l'eau. Oh là là, là. Ce jeu il est très intéressant. Les mecs. Allez, on lance un nouveau, les gars, parce que là on est mort. Je suis au lobby, mais je sais pas c'est quoi ton skin. On retourne au lobby, on va changer de couleur de skin, messieurs dames, et on va voir ce qui se passe. Mais non, tu peux pas vendre ta dame gris de skin gris. Ah, encore épique, c'est parti. Bah, c'est Icon, donc. C'est Icon, c'est 1005. Oui. Ou 1002. Oh. Non, 1005 ou 2000. Oh. Doucement. Ouais, c'est vrai. Les gars, je la rejoue, on a rien joué à parcourir là. Vite fait, histoire de. S'il vous plaît. Non, mais j'aurais pu améliorer une arme. Moi-même, je crois, mais j'ai envie d'essayer de trouver des armes. Attends, les gars, vous me connaissez, hein. Je vais pas faire le défi comme ça, Banks triche et tout, et ça y est, c'est fait. Vous me connaissez. En plus que les gens me fassent des défis et tout ça, mais arrêtez, me je peux, tu vois, je dois me compliquer la vie, tu vois. Je suis à moitié con, mais vas-y. Alors, nouvelle consigne, tes coéquipiers doivent t'aider à trouver une arme. Donc, tant que j'ai pas d'arme, les gars, vous êtes dans la merde. Mais c'est ce que je faisais. C'est ce qu'ils ont fait, hein, mais je crois que cette game elle était vide, hein. Il n'y avait pas d'armée épique plus que le snipe. Et j'ai oublié le snipe d'ailleurs, donc c'est ma faute. J'ai un skin, ça fait 1200 jours, il est pas sorti. C'est lequel, Michel? Ça doit être le Marshall là, le Michel, comment il s'appelle? Qui l'avait fâcheur là tout à l'heure. Force spécial? Ouais, force spécial. Ben, je regarde, 1501 jours il a force spécial. 1000 combien? 1101 jours. Ah bah alors c'est pas celui-là qu'il a, le Minimoise là. Dis-nous c'est quoi le skin que t'as du coup. Le Brown il commence à dater un peu, ouais. 1100 combien? 1101? Oui, 1101. Oh le bâtard! Ah il a le double hélice, bien wesh, ça aussi c'est rarissime ça, gros. Hein. Et toi t'es moi, t'as 1102. Combien? 1102. 1102? Non, 1062. Ah, 62, ouais, je sais, ouais. C'est ça, en fait, mon but, c'est qu'il arrive à 1100, tu vois. Quand il arrivera à 1100, je me serais dit, c'est bon, bah, ça fait assez longtemps, tu vois. Il peut... Allez, c'est bon. Comment il s'appelle le skin qu'il a dit qu'il avait 1200 jours? C'est le double hélice, c'est celui qui était pour la Switch en version blanche et rouge. C'est genre 1200 et quelques, 1260 ou un truc comme ça. Ouais, il est tellement... Tu sais combien ils le vendent sur Internet, le code de ce truc-là? Je parie 800 euros. Ouais. 3000 balles, gros. 3000. Il est introuvable parce qu'en fait, n'importe qui avait acheté la console pour avoir le code, utilisait le code. Donc, de trouver un code vierge pour que tu puisses l'installer, là, c'est rarissime. Bon, ils ont quand même la chance, ceux qui collectionnent, parce qu'ils peuvent quand même encore l'acheter. Il y a des skins que tu peux pas du tout acheter, donc... Salut Chatini, ça va quoi? Ouais, mais c'est catégorie exclusive, donc... Ouais, c'est ça, c'est très très exclusif. C'est comme si aujourd'hui tu pouvais encore acheter le réflexe rouge. Ah, moi j'aurais été le premier à l'acheter, hein. Non, c'est comme si une sortie. Attends, mais gros, pourquoi il y a autant de gens dans cette ville là? C'est pas tilted, hein. Gros, c'est pas tilted, mais il y a. Regarde, on est au moins 20-25 là. Oh non, j'ai pas d'armes. Je vais rentrer là-dedans, les gars, parce que. J'ai pas d'armes. C'est moi qui ai les armes, t'inquiète. Je peux toujours pas. La freeze. Oh mais comment ça freeze? Je dois traverser, les gars, pour aller voir si je trouve une arme. Ok. Y'a un mec. Y'a des mecs.
Il y a des mecs d'ailleurs, donc je me casse. Toi, tu t'amènes pas, frère. Mais tu sais quoi, comme tu t'amènes comme dans la voiture, je suis pareil. Il y a des mecs là où je suis. Je suis dans la merde. Putain, j'ai rien. Putain, mais gros, mais il me coince sérieux. Ce vieux joueur de merde, gros, j'arrive pas à sortir. C'est un truc de ouf. Gros, le défi, il est bidon à exécuter. Hein. Mais vraiment, le truc le plus bidon au monde. Mais en 3 games, j'ai pas trouvé une seule arme correspondante à la couleur que je dois utiliser, quoi. C'est illogique. Il est où le PNJ, parce que je crois que... C'est illogique. Ah, ah, putain, les bleus, je suis dégoûté. Là-haut. Evan, je l'ai dit tout à l'heure, WX, tu le trouves quasiment nulle part. Tu le trouves entre 1000 et 2000 euros minimum maintenant, le skin. Ou le pack, plutôt. Il est pas sorti en boutique, c'était un truc de skin Switch, donc Qui se ferait assez fou pour l'acheter, sérieux. Bah, des gens qui collectionnent des casiers, des choses comme ça. Bah, après, ils pourront jamais avoir tous les trucs, parce qu'ils ont raté à un moment donné, sûr et certain, un truc exclusif qui ressortira plus du tout. Donc ça sert à rien d'essayer de tout collectionner si la moitié des trucs ne fonctionnent pas, quoi. Tu peux pas les avoir, ni rien. Pardon. Il y a une balle de pompe à 1 et demi. Il allait mourir, le mec. Attention. Attends, mais ils sont tous accroupis là. Je peux pas construire. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est à cause du rebord de... Un rebord qu'il y a de... Faites gaffe, il y a une grenade qui est partie là. Ça joue pas très bien là, en tout cas. Attends, j'ai mouru là, mais ça. T'inquiète pas, t'es mort, on va aller rétablir. T'inquiète. Evan, tu m'as posé la même question, genre, 1000 fois. Eh mec... Je t'ai déjà répondu, gros, est-ce que t'entends les réponses que je donne ou pas, oralement? Le double hélice, c'est pas... Il coûte combien? C'est que sur les sites, le code, ils le revendent, et ils le revendent, genre, hyper cher. Genre, presque 2000 balles pour le code. Bah alors, Jean-Fils, qu'est-ce que tu fais sur live? Ça va ou quoi? Go top 1, eh gros. Regarde où je suis actuellement complètement décédé, là. Le top 1, il pue un peu du cul. Surtout que je suis en challenge abonné, là, donc moyen, quand même. Bon, les gars, vous avez toujours pas trouvé une arme épique, là? J'ai pas le droit de jouer avec autre chose, hein. Non, y a pas d'arme épique. Mais gros, comment je vais jouer, gros? Je vais jouer avec mes pioches ou quoi, là, frère? Depuis tout à l'heure, j'ai que ça à faire. C'est quoi, je vais prendre une voiture, gros. C'est quoi, tant que je trouve pas, je prends une voiture. Les mots, par contre, j'allais voir le Benji, et avec les armes. Vas-y. Bon, je vous guette, hein. Je vous guette parce que... Tu sais quoi? Attends, c'est quoi la prochaine ville? Je vais aller... Allez, je vais aller là, les gars. Je vais aller là, on va chercher une arme là-bas. J'y vais, vous me rejoignez là-bas. Attends. Prenez un... Ah ouais, ça... Prenez ça, un... Ça me prend pas, quoi. Prenez un... Je sais pas, prenez un truc pour un camtar ou un bail, tu sais. Allez, une arme épique, s'il vous plaît. Ouah, l'accident, frère! J'ai perdu au moins 3 genoux. J'en ai que 2, mais j'en ai perdu 3 tellement que c'était violent. Aïe. Moi, j'ai pas 3 genoux, t'as 2. Et c'est parce que c'était tellement violent, gros, l'impact, que un de mes genoux s'est coupé en deux, ça, il s'est fissuré, tu vois, nickel. Banks. Bon, une arme, please. Non, gros, une arme épique, là! S'il vous plaît! Ah, attends, Oh! Mais la meilleure arme épique, gros! Un pistolet, frère! Un pistolet épique! Eh, hey, c'est bon, les gars, le game commence. Le game commence, gros. Oh, un pompe... Ah! Un pompe... Eh, un pompe épique, frère, et un pistolet épique. Les deux meilleures armes. Faut me couvrir, les gars. Faut me couvrir. OMG! Oh, un PM! Ah, mais gros, ça y est, le game se débloque, frère. Le game se débloque. Attends, j'augmente le son, là. Le game se débloque, c'est parti. J'ai question. On peut améliorer des armes ou pas? Ouais, mais là, du coup, gros, j'ai les meilleures armes en épique, là. Ah, ça sert à ça. Temo, tu veux une marchette violette? Si tu veux. Attends, par contre, tu sais quoi? Non. C'est quoi? Oublie. Ah, je dois te rembourser? Ah! Tu veux quoi? Vas-y, Sénégal, dis! Des balles d'air. Des balles d'air, allez, remboursement effectué, monsieur. Merci. Voilà. Non, en plus, j'ai pas d'air, donc ça tombe bien. Ouais. T'inquiète pas, je vais te faire la marchette violette. J'en ai pour quelques secondes. Eh oh. Pourquoi ça parle plus?
Ouais, tu disais quoi? Des pizzas. T'es, ils sont partis là? Mince, mince, mince. Attends, c'est bon. Non, je suis en challenge. Emilie, elle m'a. Emilie, normalement, elle fait des trucs difficiles. Là, c'est son fils. Il me dit quoi? Il me dit ouais, tu mets un skin aléatoire dépendant du skin. Tu fais la game. J'ai des skins épiques, mais je trouve pas une seule arme épique. J'étais en PLS depuis tout à l'heure. J'ai pas compris, c'est quoi? Je mets un skin aléatoire et dépendant de la couleur du skin, la rareté, ouais. Bah je prends la même rareté en arme. C'est bidon à faire. Putain, mais fait. Mais je crois que j'ai pas compris ce que tu racontes. Ah, oh, sniper épique maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe, gros? J'ai 9 PV. T'es où par... côté dans la zone, temps. Gros. Alerte générale. T'es où? J'ai la marquette. Gros, j'ai 9 PV. Alerte générale. C'est bon, allez, hop. J'ai pas le droit de me soigner aussi. Voilà le bail. Apparemment, c'est nous. Même si je... Apparemment, c'est eux qui me... Mes coéquipiers peuvent m'aider, tu vois. Allez. Mais genre... Attends, mais le mec, quand même, il est venu vers OM comme ça, sans... Flavien, bonsoir. Merci, Flavien. Si je dis merci alors que c'est moi qui te prends en stop, quoi, tu vois. Peut-être t'as envie mon petit amoureux, là. Non, je peux plus la sortir. Mais attends, c'est un... Mais c'est un... Mais c'est un ennemi, ça. Hein? Oui. Mais bonsoir. Je vais... Attends. Attends. J'arrive. Tu veux te battre? Tu veux te battre là? Fais attention à pas te faire bruit. J'avoue, tu sais quoi, le feu et moi ça fait 15. Hein? Coquet. Coquet. Coquet man. Ok. Ah oh, putain, c'est Kiryu, j'ai cru qu'il y avait encore un mec en voiture. Ah oui, c'est moi. Putain, ça te démange de jouer là, hein? Tu veux jouer avec moi, mais, oui, avec des défis de ouf. Tu veux t'asseoir, mais y'a. Y'a pas de chaise, tu m'as volé ma chaise. T'es mot, viens. Bah alors, Flavien, qu'est-ce qui se passe? T'es mot, viens à toi. Bonsoir Kiryu. Oh my god, bro! Oh, y'a des temps. Hop là, mort! T'es là, fais-en encore un autre! C'est quoi ce laser? J'ai pas de mission, le mec! Oh là là! Oh, oh, ben, mon poteau! I'm here. Moi j'ai plus de perso. You're here. Ah mais vas-y. Après c'est qu'un pompe, il déconne. Non mais c'est lui, il se passe pour notre. Ok, voilà. Super, alors je comprends pas gros. Le temps qu'il tombe et que je le vise, il m'a déjà tué. C'est ce jeu, il est ridicule. C'est moi qui sais où il est gros, ah. Mais c'est lui qui me tue. Aïe aïe. Fortnite, bonsoir. Changez bon, votre jeu, vite fait. Vitez, changez votre jeu. Le... T'es où, Kyriette? T'es derrière? Ouais, derrière toi. Ah ouais, le mec. Ah. Sénégal, tu comptes trop vite, Sénégal, tu comptes trop vite. Tu comptes trop vite, là. Ça a tout annulé, là, Sénégal, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a re-annulé, là, les gars. Bonsoir, vous êtes en train de jouer avec ma vie, là, je crois. Bon, en tout cas, j'avais 9 PV. Oh my god! J'avais 9 PV là! Cours! Le baril, pourquoi vous l'avez mis là? Gros, je vais nager, je crois que ça va aller plus vite que. Attends, c'est moi ou c'est la zone? Ouais, c'est moi ou la zone est. Je vais prendre la faille, gros, je suis obligé. Je prends la faille. Gros, j'ai. Comment je vais m'en sortir avec ces conneries? Je... Ouais, vite! J'ai un bateau, moi. Moi, j'ai un bateau. Regarde ma vie, putain. Ah, y'a une faille à gauche, tellement où tu vas. Et rac. Vite, le mot. Vite. Je déconne. Oh, la faille à tilted. À tilted, ça a l'air violent, non? Ouais, ça a l'air violent. On se casse d'ici, les gars. Bon courage, Shirikinator. Merci beaucoup. Les gars, je suis en PS. J'avais plus de vie, maintenant. J'en ai toujours pas. Il y a des clombettes devant moi. Si vous me suivez, les gars, pour vous, je vous les donne. C'est Gartos. Suivez-moi. Suivez-moi, comme diraient les Belges. Suivez-moi. J'adore les Belges, bonsoir. Big up aux Belges qui me regardent. Ou qui ferment les yeux quand je suis là, je sais pas. Quelque chose. Tiens, ici, des clombettes. Des clombettes pour vous. Comment tu sais qu'il y avait là? Mais gros, le spawn étant... Et mon cerveau, il retient les spawns, tu comprends? Et comment tu sais?
Mémoire photographique, c'est la seule chose que j'ai vraiment eu de stylé dans ma vie. dans la tour là-haut, il y a un mec qui snipe. Vous savez que Marine est à côté de moi. Quel mec? Quel tour? Mais sur l'île là au milieu, il y a un mec qui snipe en haut. Ah ouais. Ah en haut. Il y a un mec qui snipe. Non, là-bas. Oh ah. Derrière. Non mais c'est partout. Peligros aussi. J'ai peur. Tu veux te battre? Jack. Ah merde, attends, non, tu peux pas. Oui. Soir Marine. Enchanté. Enchantax. Enchantal. Enchantal, bonsoir. Oh yes. Oh, mais qui tire là-bas? Ça, c'est la technique de verre. Pour être safe, tu fais ça. Tu peux tout voir, tu vois. Tu vois, tu peux vraiment tout voir. Et par contre, ça tire, mais où? Cache ton crâne. Quel crâne? J'ai pas le droit au soin, Philippe, là. Tu t'appelles pas Philippe, mais je t'appelle Philippe. Non. Si tu chope une méduse, tu peux te mettre à côté de lui, ça peut... Oui, c'est tout ce qui se passe genre à côté de moi et tout, c'est pas ma faute, tu vois. Mais moi, je peux pas prendre un poisson et le grail. Déjà, j'aime pas le poisson. Ah, non, je déconne, j'adore le poisson. Et les requins, ça marche, ça, comme sushi? Un sushi de requin, ouais. En plus, c'est du sushi épique. Mais les gars, il y a encore des clombets de l'autre côté de la baie, puisque ça s'appelle les clombets. Rien à voir avec les baies, d'ailleurs, mais... Putain, c'est quoi le buil de fight, là-bas, là? C'est pour ça que j'ai pris... Je l'ai pointé. 3-6. C'est le mec qui a rien compris. La tyroline, c'est à l'envers, tellement. Ah, ouais, d'accord. La zone, elle est pas du tout là où j'avais. Mais gros, je suis à l'opposé de la zone. Non, la nezo. 8. Alerte. T'es mot, il y a. Quoi? T'as 10 de bouclier un. Et. 1 de vie. Aïe. Mais ma vie, qu'est-ce que tu fais? T'attaques avec dit PV là. Mais je suis obligé de sauver. Attends ça. Ça arrête à vue. Touché. J'ai raté le van. Et on commence. Il est derrière. Je l'ai encore arrêté. Force. On l'a fait, il n'y a pas une faille là. Non, c'est pas une faille. Faut que t'avances. Zone. Oh, wesh. Oh, les Spider-Man. Là, tu vas mourir. Oui, mais en fait, ils sont 4, les gars. En fait, Kiryu, au moment où t'as dit aïe, genre, vous m'avez mis dans la merde. Parce que du coup. Ah ouais, je peux rien faire. Moi, je peux rien faire en tout cas. J'ai pas de soins, genre vous avez pas de soins qui me soignent, donc le défi où les coéquipiers doivent m'aider, on est loin du compte. Hein. En début, la consigne c'était tes coéquipiers doivent absolument t'aider. À l'aide, les gars, s'il vous plaît. Je suis mort, mon corps est par terre, il gît dans une. Comment on appelle ça? Dans une. J'allais dire, un mot poisson. Dans une flaque de boue, là, j'étais dans la boue, je suis tombé à genoux dans la boue. Ah là 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 là. Bon, au moins vous êtes vivant. Ah, vous êtes bien full vie, hein. Ça y va. Allez, splash et tout. Ah ouais. Mais ça se soigne là, ce que je vois, Kiryu. Ah ouais. Petite part de gâteau et tout, dessert. Entrée plat dessert là, Kiryu. Les Spider-Man, ils sont en bas, j'ai entendu. Allez, Spider-Man, ok. Entrée plat dessert. Non, je déconne. Ah, c'est maintenant qui. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il joue bien en équipe, hein. Tu peux te soigner dans un distributeur de soins. Bah clairement, Rémi, sauf que t'as vu à un moment donné un distributeur, s'il te plaît, mais... J'ai vu aucun distributeur. T'as le droit, Kiryu, fais gaffe. Ouais, il te voit à travers les buissons, maintenant, hein, c'est logique. Tu sais que sur PC, on voit à travers les buissons, sur PC. Genre, toi, t'es là dans ton buisson, t'as le mec sur PC, il voit juste le buisson, c'est un petit peu brouillard, tu sais, mais il te voit dedans, t'sais. Oh, Kiryu, le pistolet magique, là. Vas-y, Kiryu. Le pistolet. Genre, c'est réussi, Emily. J'ai pas réussi, j'ai raté le défi, là. Tu diras à ton fils que je veux faire mieux que ça. Je vais continuer avec tous les abonnés jusqu'à ce que je fasse top 1. Hein. Je te dis tout de suite, hein.
Moi, vous savez, les défis, je les pousse au maximum. Je les étire. Tu sais, comme les chaussettes où t'as un trou dedans, mais tu continues de les mettre. Bah, moi, je fais pareil avec les défis. D'accord. D'accord. Je me suis imaginé une grenade, je sais pas où. Ouais, c'est un mec qui t'a balancé un lance-grenade. On va aller sur la POV de Sénégal. Attends, attends, je vais me cacher. Parce que... Attention, Sénégal. La pression est en toi. Tout le stream te regarde. Cherche, le mec a cherché. Everyone is watching you, bro. Let's go. Il peut pas construire. Let's go, bro. Oh my god. Oh, mais il est tellement fort, ce joueur. Regardez-le. Il joue extrêmement bien. Il s'appelle D Sénégal 2. Il a 3 kills. Il a la pression. Il y a un autre mec qui arrive. Il est en 15v2. Il est en 1000v3. Et il est mort. Non, mais franchement, mais quel manque de respect, gros. Franchement, franchement. Ils étaient clairement... Aïe, quelle bande de spammers, gros. T'étais meilleur que de toute façon. Ouais, mais attends, on entend que ça, gros. On entend que des putains de mitraillettes, gros. Le jeu, maintenant, ça devrait s'appeler Mitraillette Night. Il n'y a plus de délire, gros. C'est ça. Ou Fortnite comme mitraillette, tu vois. C'est... Y'a que ça, y'a que ça, gros. Aïe, aïe, aïe. Gros, c'est encore un skin épique, à ce que je vois, là. Ah ouais. Bon, les gars. Les gars. Je vous remercie. Je vous fais des bisous. C'était extrêmement réussi quand même, malgré tout. C'était réussi. Ah, t'as un skin légendaire. Allez hop. Et du coup, ça va partir encore une fois sur un skin légendaire. Je vous fais des bisous. Merci Sénégal, merci Kiru, merci Flavien. Et tiens, petite danse de la fiesta pour vous. Let's go les gars. C'est parti. On avait ces trois amis qui nous ont aidés à effectuer un défi qui n'avait pas été à 100% maîtrisé, puisqu'il faudrait que pour qu'il soit à 100% maîtrisé. Eh bien, que je fasse un top 1. Franchement, je sais pas si c'est possible le E. Mais possible E, on va essayer. Accepter la demande de Punisher qui a le skin Black Widow. Aujourd'hui, en thème principal, l'anniversaire des 1000 jours sans Black Widow dans la boutique. Qu'est-ce qui se passe? Avec Redlocks, alias S by Dora. Je sais pas pourquoi il lui affiche ce nom. Attention, vous êtes prêtes? Blaze. Qui rejoint? Hop là, je me couche. Peut-être que ça fait un peu plus stylé, tu vois, tranquille. Ok, ok, vous êtes prêts ou quoi? Yo 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 man, yo les guys, yo à tous. 200 likes, vous êtes trop des ouf. Et franchement, la tête de la mer, je vous fais un gros cœur. Il y a Black Widow ici devant, présentement, 1000 jours que Punisher peut profiter de ce skin, les gars. 1000 jours, ouais. Ouais, non, je déconne, ça va quoi? Ça a été long la semaine sans internet. Aïe aïe aïe, t'étais comme ça, non, chez toi? Pas d'internet. Blaise, il a pas eu d'internet pendant une semaine chez lui. Il a réappris à recuire du sanglier au barbecue pendant une semaine. Sans lumière, sans rien, tu vois. Il y a plus de lumière chez eux d'ailleurs. Ah, t'imagines. Ouais, non, on serait bien, hein, on serait bien dans le mal, hein, sans tout ça. Enfin, mais écoute, un appartement, il y a même pas une box pour avoir. Oh là 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 là, mais quelle bande d'enflure. Franchement, enflure du premier degré, quoi. Les gars, on est sur un skin où on va y aller discrètement, tu vois, discrètement. On va y aller discrètement parce que j'ai besoin d'armes épiques. Vous allez tous m'aider, tous, si vous trouvez des armes épiques. Banks, vous les donnez à Jean Lopez, qu'est-ce qui se passe? Agent Lopez, il va en faire quoi? Mauvais usage, direct. Mauvais usage. N'oubliez pas que si vous avez des soins de zone, c'est la seule chose qui peut me sauver. Notamment, hein, n'est-ce pas, Kiryu, Sénégal et Flavien qui m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné à la game d'avant, là. J'ai failli décéder. Ah non, je suis clairement mort, ouais, j'ai failli, mais non, je suis mort. Merci, les gars. Je déconne, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, on dirait que t'as pas de muet. Ouais, mais t'as vu comment je fais bien le mec qui... En blanc. C'est Marine qui me coupe mon micro, elle est chiante. Vous avez pas tout compris, du coup. Ouais, non, mais j'ai pas tout suivi, là. C'est quoi le défi de ce soir? Bon, le défi de ce soir de la part de Emily Junior, donc de son fiston... Il nous dit très brièvement, écoute Telmo, je vais te mettre en PLS. Et moi je dis ok. Et il m'a dit, tu as le droit à mettre un skin donc aléatoire, dépendant du skin aléatoire, de la couleur du skin, donc épique dans le cas où je suis actuellement. Tu as le droit d'avoir que du stuff de cette couleur. Sauf que tu n'as pas le droit de te soigner ni de shielder. C'est tes potes qui doivent te shielder ou te truc avec des trucs qui se partagent, pas des trucs qui se donnent, tu vois. Ok, ouais, donc en gros, il faut des pizzas, des sprays, des splashs. Bah, les pizzas, je peux pas les grailler. Genre, c'est. En fait, c'est soit du spray, soit des splashs, je pense. Après, je vois pas. Ou alors des barils de shield, quoi.
Mais pourquoi? Mais la pizza, si c'est moi qui la jette, tu peux en profiter. C'est moi qui l'ai jetée, c'est pas toi qui l'a jetée. Ouais, mais je dois la consommer manuellement. C'est-à-dire que mes mains doivent toucher l'objet en question, tu vois. Ça, c'est dangereux. D'accord. Je peux me brûler les phalanges, tu vois. Donc ça peut faire embrouille, tu vois. Et il est à l'affût, le junior, là. Il est à l'affût. Je vais t'appeler le junior, le pauvre. Et il me dit, mais maman, pourquoi il m'appelle comme ça, l'autre youtubeur de merde, là? C'est quoi l'histoire, là? Je lui fais des défis marrants et lui, il me répond comme ça? C'est quoi l'embrouille, là? Tu m'avais dit au départ que c'était un mec marrant, mais là, ça a l'air beaucoup moins marrant, là, tout d'un coup. Il m'appelle Junior, le mec. Il fait trop le fou, là. Au départ, il est mignon, là, il fait le guignol, là. Il fait le guigui, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, les gars, il y a un barrel. Ah non, c'est pas un barrel du tout, qu'est-ce que je baragouine. Une tente. Par contre, il y a du shield axe. Il faut des armes épiques, c'est ça? Ouais. Oh my god, gros, la meilleure arme épique, là! Mais toi, t'es un dieu vivant, toi. Bah, c'est la seule chose que j'ai trouvé pour moi. Bah tiens, il y a ça et ça. Et je peux pas le prendre. Okay. Première arme épique trouvée actuellement. Lance-grenade. À onde de choc. Clairement pas ça, mais bon, c'est un lance-grenade. Merci, Blaise. De rien. Tu as été d'une aide incommensurable. Le premier coffre que j'ai ouvert, c'était un coffre rare, donc... Oh my god, bro. Mais ça, toi, je commence YouTube, Telmo, tu as des conseils pour moi? Bah, à peu près... C'est des vidéos. Le plus gros conseil, c'est savoir déjà... Le conseil, c'est une question. Attention, t'es prêt ou pas? Le conseil, c'est une question. Pourquoi as-tu commencé YouTube? C'est ça le conseil que j'ai à te donner. Et une fois que t'as la réponse à cette question, t'as la réponse à toutes tes questions. Ah voilà, j'allais dire, du coup, il faut que je sorte de ça. Parce que moi, je sais pourquoi j'ai commencé YouTube et j'ai eu la réponse à comment réussir sur YouTube. C'est-à-dire, j'ai commencé parce qu'il y avait un but dans la demande des gens et dans ce que je voulais faire moi, comme ce qui me plaisait sur YouTube. Si tu fais des trucs ou si je te donne un conseil, mais que le conseil, c'est pour que tu fasses des trucs qui te plaisent pas, bah tu réussiras pas sur YouTube parce que tu feras du contenu qui t'intéresse pas. Et à partir de là, tu n'as aucun plaisir. Et on a un don de 5 euros de la part de Shrekinator. Shrekinator, j'ai cru que t'allais faire un défi, frère. Mais non, mais fallait faire un défi, là, Shrek, pour ce prix-là. Bah, si t'as un défi, tu me le diras en commentaire. Et on a Nuzuki, les 17 mois de sub. Oh my... Hey, franchement, les gars, on est 140. Pourquoi j'ai pas de cœur, là? Pourquoi j'ai... Pourquoi on n'a pas de cœur, là? 17 mois de sub. Les gars, dans une semaine, on a les deux premières personnes au monde de ma chaîne à être sub depuis 2 ans et qui vont avoir le logo Galaxy sur ma chaîne. Ah, pas si je suis sub dès le premier jour, c'est ça? Quasiment, ouais. C'est Bolagal, la West. Ensuite, Zekrom arrive avec... Bah, d'ailleurs, quelqu'un qui est pas souvent là, mais qui est toujours sub et qui vient de temps en temps, mais qui est sub depuis très longtemps, c'est Facocher. Facocher est sub, pareil, depuis bientôt 2 ans. Il va être quasiment au même niveau instantanément. Et après, il y a plein de gens comme ça, comme Mizuki, qui vont arriver aux 2 ans, mais genre dans l'année, là. C'est incroyable. Genre, moi, quand j'ai mis les logos, je me dis, putain, qu'est-ce que ça me ferait kiffer un jour que les gens, ils aient ce logo-là, parce que ce logo-là, il est vraiment exceptionnel. Je les ai fait en pensant à ça. Le truc le plus extrême sur Fortnite, t'as beau être rareté grise, dorée, machin, mais le truc exceptionnel, c'est quand on parlait du tout ce qui était Galaxy, tu vois. Genre, vraiment, tout ce qui était un peu hors du commun, tu vois. Et quand j'ai mis le logo Galaxy, je me suis dit, ouais, personne l'aura, 2 ans, est-ce que je vais stream même pendant 2 ans, les gens ils seront jamais là et tout. Et là, gros, il y a les premières personnes qui ont les 2 ans de sub, c'est incroyable. Du coup, il y a 2 kits de soins ici, et il y en a un autre dans la cabane là. Moi j'ai un baril de shield là qui met du 200. Et Nuzuki, merci beaucoup encore pour le don. J'ai mis non, j'ai pas le skin Black Widow. Ok, Jason, merci à toi d'avoir voté, ça fait plaisir. Merci Nuz. Enfin, j'ai 6 mini et Oklahoma Medi Brune pour Telmo. Parfait Michel, toi t'es un roi toi. Moi les gars par contre en parlant de roi, j'ai commencé pour pas trop prendre de dégâts de zone. Non, avancer, j'arrive, je suis. Commencer à m'avancer. D'ailleurs je suis en train de penser à un truc. Ah ok, j'étais en train de. Je suis remonté dans le live en arrière pour voir qui m'avait soigné. Parce que je me suis dit, je me suis quand même pas shield là tout seul. Non, c'est moi. Ouais, c'était toi, ouais. Ouais, tais-toi, ouais. Enfin, tais-toi, c'était toi, je veux dire, c'était toi. C'était toi, frère. J'ai dit tais-toi. Tais-toi, frère. Ah putain. Non, mais en fait, ouais, j'ai revu sur live, j'ai vu direct ton skin en train de m'envoyer des trucs à la gueule. J'ai vu, ouais, c'est lui. C'est bien connu. Moi, c'est moi et toi, tais-toi. Ah, merci beaucoup, Shrek. Et d'ailleurs, belle petite blague à l'instant de Blaise.
ne jamais sous-estimer les blagues de cette hauteur-là, surdimensionnelle. Je la faisais tout le temps quand j'étais petit, celle-là. Eh, moi, c'est moi, toi, tais-toi, frère. Bangs. Et en plus, t'étais saucé. Tu partais à l'école le matin, tu faisais cette blague. C'est pas full. Là, t'as le tapis, les champignons, les trucs comme ça, mais ça marche pas si je le mange à côté de toi, si le champignon. Il va pas t'asperger. Non, ça asperge pas le champignon. Non, par contre, c'est le poisson. Non, par contre, le poisson asperge. Le poisson, genre le pieuvre, là, il asperge. Okay. D'ailleurs, on l'appelle le poisson asperge. Ah oh, putain, frère, allez, moi, c'est quoi, je démissionne, frère. Ouais, mais vas-y. C'est... On dirait. C'est le poisson asperge. C'est qui asperge. Oh, pas mal. Oh. Pas mal. Michel reprend les blagues encore plus blagantes, à ce que je vois. Blagante. Blagante. Ouh, monsieur n'accorde pas le G et le U avec ce qu'il faut. Eh oui. Majeunta. Bon les gars, il y a pas mal de stuff là qui traîne, mais je peux pas le prendre. Pourquoi tu criais? C'est vrai, pourquoi tu cries, Strone? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Attends, tellement j'ai du... Il y a du splash, messieurs, il y a du splash. Du splash. Tiens, les gars, il y a ça. Bah je peux pas, Blaise, il faut que sans faire exprès... Vas-y. Tu veux te battre, là? Inadvertance. Oh, par inadvertance, j'ai pris quelques splashs en partie buccale. Blaise, une autre information que je n'ai pas dite depuis le début du live. Oui. Quand tu m'as dit, tiens, tel mot, il y a ça. Ouais. Tu es passé sur ça et tu as pris mes balles, bordel. Ah, ouais, t'as vu ou pas? Non, j'ai pas voulu te le dire, je me suis dit, ouais, je vais jouer sans armes et sans balles, tu vois. Non, je déconne, j'en avais quand même 6, mais je me suis dit, bah j'avoue que maintenant, si jamais je commence à asperger les gens de ça, tu vois, il faudrait que j'en ai plus. Mais qu'est-ce qui quoi? J'ai pas fait attention, moi j'ai ouvert le coffre, j'ai même pas regardé si j'avais... En fait, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'elles y étaient pas, et je me suis dit, mais j'en ai quand même 6, je vais pour l'instant essayer de faire avec, tu vois. Mais après, je me suis dit, ouais, non, tu sais quoi, je me mets encore plus de bâtons dans les roues. Et quand je parle de bâtons dans les roues, petite blague. Oh, il y a des gens. Il y a des gens, les gars. Oh là là, mais il arrive. Je pense qu'on va plutôt arriver dans la zone. Quelle belle musique, tellement. Les gars, la zone, moi je commence à y aller parce que. La douce mélodie, comme disent les jeunes. Ce sont... Ah ouais, non, mais ça, c'est une... Mais, hé, Lodi. Comme j'ai le stress, je vais rester avec toi. Je vais essayer de rester avec toi au cas où je me soigne tous les deux avec le stress. Oh purée, une pomme de terre, là. Enfin, une voiture, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a des mecs à gauche. Je crois. Bon, à retenir, quand même, que Jean-Phi s'est passé sur live nous dire go top 1 et qu'on n'a pas mérité... Enfin, on n'a pas réussi à faire top 1, tu vois. Désolé, Jean-Phi, hein. Excuse-moi, mec. Enfin, je dis excuse-moi, mais je pense que t'es plus là. Je vais regarder ça. Alors, participant. Il n'est plus là. Donc, désolé, j'ai pas fait top 1. Voilà. Mais attention, chose plus importante, Shrekinator, il est là, et il nous a demandé de faire un top 1. Et vu que Shrekinator est beaucoup plus important que Jean-Fils... Mais quelle route, gros? Celle-là où le mec est mort? Ah, ok. Voilà, il est mort. Oh my god, du stuff, les gens. Ah! Ok, c'est bon, merci. Pourquoi la MK? Bah j'en ai une. En fait, ma deuxième arme que j'ai trouvée, c'était une Mark 7. Ah, tu vois, tu m'as trouvé le lance-boule, et moi, direct après, j'avais une marque. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai une marque boule. Voilà. Du coup, il y a un spray, là, s'il y en a un qui peut le prendre, parce que j'en ai déjà un avec un baril. Après, les gars, j'ai comment dirais. Moi, je peux le prendre. Bah, c'est intéressant qu'on puisse être plusieurs à soigner tellement. Ne vous inquiétez pas, parce que moi, tu vois, je fais le mec, genre, un peu filou, tu vois. Il est mort! Pardon, excusez-moi, mais il est mort là! Qu'est-ce que tu as ce soir? Mais c'est n'importe quoi là. Et Banks dans la tête, gros! Oh my god, il en a un deuxième, j'en ai déjà, j'en veux pas. Oh le pompe, je le veux bien si vous le prenez pas. Bah, du coup, j'en ai déjà un de ce même coloris, tu vois. Donc je ne le prendrai pas. Donc, voilà quoi. Tiens,
T'en parles en petite tête, ouais. Ça s'est calmé un peu cette semaine, petite tête ou ce... Moi j'y suis allé qu'une fois tout à l'heure, tiens. Et il y avait vite fait du monde, mais... Pas ouais, plus que ça, quoi. Parce qu'il y aura toujours un peu de monde, hein. Ouais, Steph, bien ou quoi? Ça a repris le rythme de croisière, hein. Ouais, ouais. C'est comme ça, c'est comme les adolescentes, ça grandit très vite et après, ouais, 1m70 toute sa vie, quoi. Donc c'est pareil, Tilted, ça a pris de l'ampleur les premiers jours, après, ouais, ça reste un ado de base, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Depuis tout à l'heure, j'ai un truc secret dans ma manche, tu vois, parce que je suis un peu magicien. Non. J'ai une boîte à pizza, bah du coup, épique, donc je peux me soigner si je lance la pizza par terre et que je la mange de la boîte. On est où là? On a tout calculé, nous. Non, je déconne, je peux pas la manger directement, mais c'est voilà quoi. J'ai un torticolis. Ah ouais, c'est tough, bah alors. Ça, c'est un problème. Y a un mec là devant moi qui traîne. Oh non. Ok, les deux sont pris des babales. Mais qu'est-ce qu'il calfeutre lui? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce qu'il quoi? Ouah, ce qui s'est pris lui. Ça tire de partout, hein. Ah, je crois qu'ils sont sur l'île. Ouais, sur l'île. Il y a un mec ici. Envole-toi. Envole-toi. Tu es mort, Michel. Par contre, t'avais une couronne avec ton niveau éclaté au sol. Oh, j'aurais pas aimé, hein. Ça sent la gamebot, ça. Non, je déconne. Oh, ces snipes, c'est vraiment mais de la D en plein. Vivement qu'ils remettent des coups partout. Ah, mais c'est toi, Blaise, en plus, qui mettait des gigabytes, je me rappelle. Ok, il a ramené toute sa famille. Mort. Blaise, j'adore l'arme que tu m'as trouvée au début, hein, je veux dire. Ouais, c'est un peu tout ce que j'ai pu avoir. Je sifflote, hein, les gars. Ça, c'est bon signe quand je sifflote. Comme c'est pas précis, ce snipe. Wow. Quand même. Oui. Le mec n'est pas commode. Quoi? C'est-à-dire qu'il... Il a pas de meubles chez lui? Non, non. Enfin, je crois pas... Oh, il est mort de chute en plus, je meurs par lui. Donc je les rush, j'ai plus de balles. T'es où, toi? Je suis en bas de... Ah non, je sais pas où vous êtes, en fait. Ah non, mais il est là-bas. Moi, je suis sur une équipe, là. Tout à l'heure, je leur mets la pression. Vas-y, Ted, j'en vais sur toi si tu peux. Tout ça pour ça, frérot, allez, calme-toi. Calme-toi, gros. Calme-toi, est-ce franchement. Est-ce que j'ai une popo ou pas? Non, j'ai des pizzas si vous voulez. Ah bah, Tedeschi. Telmo, encore Telmo. Ah non, la game est finie. Est-ce que vous voulez quelque chose? Ils font la trop, pizza, là. Ça, si tu pourrais me. Mac, la pizza est envoyée par terre. Mac. Pouvez-vous soigner? Excusez-moi de mon italien non productif. Mon italien. Quelqu'un au desplanche, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Blaise, tu t'es littéralement éloigné de. Mais Blaise, mais qu'est-ce que tu fais, gros? T'es à 500 mètres de nous. Mais pourquoi t'es là-bas? Oui, mais depuis. Mais mec, on avait une équipe de 5. Comment t'es parti là-bas? Nous, on était au même endroit depuis tout à l'heure en train de se battre, hein. Comment t'es parti là-bas, Blaise? Ben parce que j'étais sur Tilted et quand j'ai entendu des tirs quand j'étais en train de looter là-bas. Mais nous, on là-bas. Était. Mais ça date de quand? Parce que nous, on a eu des mecs depuis à peu près 5 minutes en fait, là. Lui, je crois qu'il est pas venu là où on était. Il est resté. Je suis pas venu là chez vous. Ah oh, ouais. Pourtant, c'était ici l'invitation, hein. Je sais pas. Pourquoi t'es allé chez quelqu'un d'autre? Blaise. T'as fait une autre fête là tout seul, Blaise. Il a fait une soirée pyjama tout seul. Gros, on est la fête. J'ai réussi à les tenir au début au snipe pendant un moment. Et quand j'ai commencé à arriver à court de munitions, ça a commencé à être chaud. Picado, complicado. Le pistolet, oh, il est craqué. Oh là là, quel niveau de la part du joueur français. Le joueur français. Putain, il va réanimer cet andouille. Ouais, j'en avais mis un KO déjà, mais il a été réanimé déjà depuis un moment. Oh là là, il y a un petit peu de. Ivaria. Il aura même le temps de réa son pote si on réagit pas vite. Le joueur portugais qui s'avance dans la prairie. Il va où lui, gros? Il va où lui? Mais il a cru qu'il survolait qui?
plus, Anthony, tu es mort. Lui, il a rien vu venir, le pauvre. Il s'appelle Anthony. Ah, le requin. Je joue un requin. Le joueur portugais, qui prend le loot. Qui se sent comme chez lui. Oh voilà, toi, j'allais te demander où est-ce qu'ils étaient, les mecs de l'area. Bonsoir Michel, je suis là aussi, on fait rendez-vous comment là? Tu viens, je viens, tu viens, on fait quoi? Qui vient d'abord? Nous venîmes, nous venâmes, qu'est-ce qui se passe? Je me cache. Attends, mais un mec, il était là. Comment il a pu aller si loin? On va chez moi ou on va chez toi? Ben toi tu vas chez toi et moi je vais chez moi. Je m'approche. Oui. Très compliqué ce qui se passe. Ah, tellement il a besoin de soin, les gars. Merde, allez. Merci. Je ne peux pas me soigner avec ça. Faut qu'on sorte d'ici. Petite andouille. Ah, c'est très compliqué tellement. T'inquiète, Michel. Est-ce que tu peux au moins manger de la verdure ou non? Que dalle. Même pas, non. C'est soit vous lui envoyez des slashs, soit vous le... Je suis en zone. Attends, je vais redescendre un peu. Je descends un peu pour pas mourir de chute. Je suis en zone, donc à partir de là, ça me va, gros. J'ai déjà fait des games avec moins de PV, hein. Ouais, il y a un mec qui arrive, C'est un bot. Par contre, je vais pas montrer à cause de... Attends, je vais voir si... Fais gaffe tellement. Putain, j'ai eu peur de la zone, hein, quand même. Ah, il a du poids scale. Elle fait du 8, là. Il fait du 8 là, tiens, putain, merde. Ok, il se battait en face, hein. Oh là là, il est crack. Je sais pas pourquoi il a pas construit. J'ai pas ulti, mais c'est pas... Ah bah on est trouvé 3. Je les vois au fond. Ouais, au fond. J'aime bien, c'est toi qui rush en premier alors que c'est toi qui as le monde. Bah gros, c'est soit tu te fais emporter par la peur, soit tu gagnes. Ouais, oh là là, je suis désolé les copains. Hein. Je vais pas vous offenser. Wesh. Et voilà. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait lui avec ses codes? Putain, j'ai plus de balles de roquette, gros. Lui il a un HP, ok. On est quoi? On sort de ce corps. Il y a pas un moment donné, quoi. Piège droit. Quand vous étiez un peu en train de vous prendre la tête avec ce corps. Ah oui, Mimi, mais Zekrom c'est devenu le pupe de l'heure de Telmo. Moi j'ai dit non, c'est pas Telmo et Zekrom, c'est Raymond et Huguet. Ah bah clairement. Pourquoi je pouvais pas construire? Et cet arbre depuis tout à l'heure, il me casse la tête, frère. Ok, bon. Tenir 10 PV comme ça, je suis désolé, la fin était un peu morte. Hein. La fin était un peu vraiment morte, quoi. Je pouvais pas faire grand chose sous prétexte que j'allais crever. Défi accepté, relevé, Emily. Là, c'est accepté. Là, c'est accepté et relevé, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Je vais revenir au menu. Premier top 1 avec en plus le défi. On a fait le défi de Shrek qui voulait juste un top 1. Et le défi de Junior. Notre ami Junior, on va l'appeler. Les gars, on sait pas ce qu'il y a comme skin ce soir parce que c'est à 23h qu'on a la ligne de boutique. Là, on les a toujours pas. Donc, carré. Donc, ça y est, messieurs, dames. On s'est sorti de la pénombre des défis.
Oh my god, gros. Est-ce que je vais faire un petit combo sympa avec ça? Oh, wow, wow. Ouais, vas-y, on va laisser ça comme ça. Les gars, on a fait top 1, on rejoue du coup. Punisher, Blaze, Redlock, bro, let's go. Bah les gars, franchement, les gars, on a fait juste une game, il y a top 1, je rejoue la game. D'ailleurs, je mange un petit chocolat, le chocolat du travail, bien sûr. Ah ouais, carrément. Et chocolatos del topinos, comme on dit. Je suis pas sûr que beaucoup de gens disent quoi. À la base, c'est ça, hein, la traduction. Je suis désolé, hein. Je sais pas si les gens... Vas-y, hein. Los topinos, c'est comme ça qu'on dit top 1. En hongrois. Sorry. Sorry, bro. You don't know English, sorry. Bravo la team. Mais ouais, franchement, bravo la team, là, pour le coup. Il faut pas avoir peur. Hein. Jouer avec 10 PV, c'est pas... Tu vois, c'est pas la muerte. Hein. Bon, après, je te mens pas, j'avais 10 murs blindés, j'ai fait... Je me suis mis des murs blindés un peu partout pour pouvoir bouger dans mes cônes. Et dans mes box. Mais ça fait peur. Tellement quand skin King Shark va sortir. King Shark, you water, sorry? What do you do? C'est quoi? Non, j'ai pas la OKLM, Nathan. C'est quoi le skin King Shark? Le roi des requins? Mais c'est quoi le roi des requins? La pioche de Black Widow, BK, bien wesh. T'es un winner, gros. Moi, j'ai rien du tout. Je suis là, je pleure, tu sais. Pourquoi je suis méchant, Emily? Qui est méchant? Dim. Ah, Dim, comment t'es un de ces... Aïe, aïe, aïe. Tu peux en manger... Oh, tu peux en manger deux, c'était... Bah oui, c'était deux défis, mais après, si je mange deux chocolats de suite, Ben, c'est incroyable. Tu sais que j'adore le chocolat, c'est du chocolat noir, mais même le chocolat noir... Putain, qu'est-ce que je dis, moi? Oh, je bégaye, frère. Même le chocolat noir, pour moi, c'est trop sucré. Genre là, j'ai l'impression d'avoir bouffé 5 kilos de sucre. Et j'aime pas le sucre. Si je pouvais, d'ailleurs, faire disparaître le sucre. Dans ma vie. Ah. Ne laissez pas prendre une arme, vous avez raison, c'est tellement mieux. Attends, mais ils m'ont pris pour un putain de pêcheur ou quoi? Ouais, là, ils sont moins 4 ou 5 autour de moi. Un peu plus après. En même temps, je suis caché, ça peut me finir. Sur le toit, sur le toit. Il y en a deux au jardin d'enfants, là. Trois même. Descends, peut-être. Va dans la baraque. Là, ils sont tous là. Ah, il y en a plus que trois, ils étaient cinq, il y en a plus que trois. Gros, écoute bien, j'ai le skin chalutière. Jusque là, on est d'accord? C'est un skin de pêche. Je tombe dans la baraque, je trouve un harpon et une canne à pêche. C'est quoi l'histoire là? Ils se foutent de ma gueule ou ils ont des détecteurs de skin là? Ou c'est quoi? Merde! Dora! Pourquoi tu t'es pas approché de nous, Michel? Ça m'a... Là j'ai perdu un pote. Là j'ai perdu un pote là, tu vois. Ça y est. Tu vois un truc marrant? J'aurais dû prendre des slashs. Soigner tellement au cas où. Faut toujours penser à ça. Et de Medivhim aussi, du coup. Non, mais là, le défi, il est terminé. Ah, il est terminé? Ouais. Mais gros, qu'est-ce que tu fais, frère? Oh, un autre harpon, gros. Ah, allez. Ah, calmez-vous. Calmez-vous, frère. Je suis en train de la jouer à harpon, là. Je suis une chalutière. Non. Me tue pas, gros.
le mec doit dire pourquoi tu joues avec un harpon. Non, petite balle à blanc. Avec un harpon. À travers, gros, regarde. Oh là là. Viens. Ah, tu me fais quoi? Ah, tu dis. Ah, tu gueules, gros? Non, gueule pas, gros, c'est normal, ça s'appelle le skill. Attends. Il était vraiment en train de s'énerver. Regarde, regarde, regarde. Hein? Non, gros. Oh, Ted. Je vais te couvrir, je vais te couvrir. Non! Oh non, comme par hasard, le mec est là. Quoi, gros? Non! Je lui ai clairement mis en plus le dernier coup d'harpon. Comment il one-shot sérieux, gros? Non, c'est hilarant. Ah, c'est hilarant. Ah, c'est hilarant. Non, ça se fait pas, gros. Franchement, hey, j'étais en skin chalutière là, je pouvais pas faire un autre défi que celui-là, gros. Non. Pourquoi c'est dangereux quand même? Bon, après, il y a genre 4 équipes différentes, donc c'est normal que. Ah là 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 là, gros. C'est dommage. En vrai, là, je suis déçu. Bon, après, quand tu calfeutres 4 ou 5 kills. De harpon là. C'est kiffant. Désolé les gars, désolé. J'aurais pu faire mieux quoi, tu vois. Bon. Je vous remercie, messieurs. On s'est bien amusé. Merci pour le top hang. Je vous retrouve tout à l'heure alors. Je vous fais une petite pause au calme. Et bah merci beaucoup et à toutes les gars, c'est parti. Blaze, Punisher, Redlocks, bise. C'est parti messieurs dames, on est 186 niveaux déjà fait sur cette saison. Il manque 14 niveaux. Jusque là rien de très méchant, donc 14 petits niveaux tranquillou biloot. Et ça va le faire là bientôt, je pense qu'on est pas mal là. On est vraiment pas mal les gars, je sais pas ce que vous en pensez hein. Mais moi, je suis très content de notre niveau actuel. On va inviter des gens. C'est parti, les gars. Demande d'accès. Bah, tiens, Mizuki qui est là. Fallout qui est là. Est-ce qu'on descendrait pas voir ce qui se passe ici? Karim, par exemple. C'est parti. Bien le bonsoir, salut, messieurs. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Superbe. On y va, les guys. On va essayer de faire quelques games assez intéressantes. Et voir si on s'en sort. On est actuellement avec Nuzuki, Karim et Fallout. On a fait un top rien là. Parce que j'y ai fait clairement le con avec mes harpons. Mais c'était intéressant. Hop, hop. Salut Yaya, bienvenue à toi. Bou. Bah Bou Théo, ça va ou quoi? Imagine Tenmo ce soir il ressort Black Widow. S'il ressort Black Widow, je rigole. Ouais, ça y sort ce soir. Déjà le rapport avec Marvel, y a rien là actuellement, donc c'est trop bizarre. Donc je comprendrais pas pourquoi il sortirait, tu vois. Mais avec eux, on sait jamais. Avec eux, on sait jamais. On est à tout moment, on est surpris de la bêtise. Bah merci beaucoup Emily d'ailleurs pour le don de tout à l'heure, j'ai même pas commenté pour le deuxième, pour les 2€ là. Je vous ai régalé, je sais pas, mais en tout cas j'ai essayé, c'est compliqué de relever les défis tout en restant zen, tu vois. Eh mais attends, on a une nouvelle chaise là, Marine là. Attends, en plus c'est une chaise aménage. Ok, moi regarde mon combo de l'époque. Oh le combo de l'époque gros, ça me rappelle vraiment les souvenirs. Tu sais ça me rappelle quoi ce combo là? Quand il y avait le truc de golf là, au sud nord de Loot Lake là, les gens ils arrivaient tous au. Ils allaient tous faire ça là. Je sais pas pourquoi ce skin là gros, alors que c'est. Je sais pas pourquoi il a rien à voir avec ça. C'était la birdie et tout qui sortait là-bas. T'sais. La birdie avec ses clubs de golf et tout là, tranquille. Ok, Sleepy Sound, les guys. Let's go, Sleepy Sound. Quel est votre spawn préféré, les gars, sur live actuellement? Actuellement. Tilted encore? Ok, ça c'est bien. Et le. Daily Bagel, ok. Ouais. Daily Bugle. Et Rocky Riz, en vrai. Rocky Riz, des Grizzly Roux. Voilà.
Les 4 spawns. Tilted, Rocky, ok, ok. Moi je sais pas pourquoi je kiffe trop le Camp Cuddle. J'ai un problème avec ça. J'aime trop le Camp Cuddle. C'est ouais, ouvert, tu vois, j'aime bien. Il y a le petit lac à côté et tout. Tard l'époque le planeur. Tard l'époque que j'ai le planeur. Ah bah ouais, si t'as mis des trucs à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. C'est sûr que ça attrape les dés. Bah c'est vrai que tu joues depuis toujours, toi. Ouais. Eh ouais, la base, les gars, la base. Les anciens, tu vois. Ah mais j'ai un harpon, là. Bah là, maintenant, j'ai un combo bizarre, donc j'ai aucune... comment dire. J'ai aucun défi particulier à faire. C'est juste tout à l'heure, j'avais la chalutière et je suis tombé sur les deux premières armes. C'était une canne à pêche et un harpon. Alors je me suis dit, putain, c'est marrant. J'ai joué avec ça, du coup, toute la game pour voir. Tunch. Mort. Moi, mon revêtement que je peux mettre, tu vois, c'est le pack sombre, là, le revêtement du pack sombre, là. Avec solaire et tout. Ouais. Bah, on va les sceller. Ah, il y a mes clavards. Voilà, il y a plus de mecs là-bas. C'est des bots, je crois. Enfin, je suis pas sûr, mais... Non, c'était un vrai joueur. Ça dépend, il y a des... Ouais, ils sont mélangés. Ah, là-bas, c'est des vrais joueurs. Fallout, fais gaffe, c'est des vrais joueurs, ça. Je crois. C'est un putain de tryhardos, d'ailleurs. Ce combo, je vais peut-être le garder, il est tryhard en vrai. Est-ce que je peux pas de bruit avec une manette là, ma manette? Bah ouais, bah alors... Non, la manette, je l'entends pas trop. Ok. Même quasiment pas du tout. C'est bon, je l'ai eu, je l'ai flingax. Il est mort. Putain, quand on n'a pas de défi, bizarrement, maintenant on joue beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Bah, vu que avec les défis, je me concentre beaucoup plus. Après, quand il n'y a pas de défi, bah. Je sais pas, je joue un peu mieux. Vous avez des balles de pompe ou pas? J'en ai un petit peu, ouais. Je vais finir vers vous. Merci bien. Ok, on est pas mal. T'es encore au boulot là, Steph? Courage, hein. Ouais, moi aussi, je suis au boulot là. Tu vois pas? Petit boulot et tout, à base d'abonnés. Toi, t'as mis quoi comme fond d'écran sur ton PC? T'as mis quoi? Moi là, sur mon PC, j'ai laissé les petits fonds d'écran genre de montagne, tu vois. Bien propre. Ah ouais. Non, avant j'avais changé, mais à force de faire des mises à jour et de réinitialiser le PC pour des problèmes que j'avais à l'époque, bah au bout d'un moment ça m'a fait chier de mettre des fonds d'écran et tout. Et du coup, vu que les fonds d'écran, mes pages elles sont bien organisées, tu sais, avec tous les dossiers et tout, ouais, bah ça me fait bizarre quand je change maintenant de fond d'écran de plus voir les images correctement des dossiers et tout, tu sais. Ouais, je vois. Mais après, c'est parce que je suis pas joueur PC, tu vois. Je passe pas ma journée sur le PC et tout, et sur le bureau et tout. En fait, je vois jamais quasiment le bureau de mon PC. Hein. Genre, enfin, le fond d'écran, je le vois quasiment jamais. Ouais. Genre, je le vois quand j'allume le PC, et vu que le PC, je l'allume quasiment jamais, il est toujours en veille, tu sais. Bah, ouais. Je le vois jamais, l'image en tant que telle, je la vois jamais. Parce que quand je l'allume une fois par semaine, je l'éteins, je le redémarre. Ouais, pour faire les mises à jour et tout. Ouais, c'est ça, pour qu'ils se mettent à jour et que... Parce que sinon, ils mettraient tout le temps trop longtemps. Quand j'ai besoin de faire un truc en urgence pour YouTube et tout, si je dois à chaque fois le rallumer et tout, c'est chiant. Ah ouais, je vois. Tu sais, t'as vu, il y a Windows 11 aussi. Windows 11. Ouais. Exactement. J'ai des petits splashs, si vous voulez, là.
Tu fais pas compter de l'installer pour le moment. Non, j'ai laissé. Moi, je laisse les trucs tant qu'ils fonctionnent, les trucs, on va dire pas basiques, mais les trucs un petit peu qui demandent pas trop d'efforts au PC, tu vois. Je préfère avoir les versions d'avant et que le PC il tourne correctement, que les versions qui tirent un peu plus sur tout d'ailleurs, sur la carte mère, sur le processeur et qui du coup font bégayer le. C'est ça. Ça fait bégayer tout le PC et tout et j'ai pas envie. Ouais. C'est mort que c'est sur Windows 10, c'est. Exact, monsieur. Bon, j'ai essayé une fois Windows 11, mais ça m'a fait totalement bugger mon PC. Ouais. C'est un peu chiant, toi. C'est un peu chiant. OMG. OMG. Tu crois que cette barrière, elle me protège des balles? Non. Ouais, non, non. Ah. Moi, je pense qu'elle me protège des balles, quand même. Un peu, mais pas tout ça. Par contre, ça m'a l'air un peu trop calme là. Ouais, un peu calme là. C'est bizarre normalement. Un peu trop. Alors, on me dit pourquoi tu passes pas PC sinon? Bah, les gars, parce que moi, c'est la, c'est la même problématique que vous. Pourquoi vous passez pas PC vous? Et vous faites pas des streams PC et. T'as un tel mot. Etc. Etc. La grosse boîte pour. Ah. Bah, collez-vous. Attends. Voilà. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups, c'est beaucoup mieux. En fait, pour passer PC et sachant que je dois stream tous les jours, je peux pas passer PC juste PC de merde, tu vois. Faut que je passe sur un PC qui coûte bien 2500 voire 3000 euros. Et je sais pas si pour vous 2500 ou 3000 euros c'est. Aussi, il y a des PC à 1500 euros aussi. Non ouais, mais qui tiennent bien le stream et qui tiennent bien mes trois écrans et machin, je sais pas. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que moi j'ai trois écrans, j'ai le stream, j'ai tout ça qui compte, tu vois. Et, ouais, après pareil, moi les montages sur PlayStation je les fais en quelques minutes, quelques secondes, quand voilà, parce que je sais les faire depuis toujours comme ça. Je passe sur PC, bah ça va être beaucoup plus compliqué. Déjà il faut que j'ai un logiciel de montage. Le logiciel de montage c'est pas pareil que sur c'est pas la même facilité que ce que j'ai. Sur Share Factory je prends mes clips, une fois que mes clips sont faits, j'appuie sur trois touches en gros pour faire mes clips. Pareil, pour faire des clips sur PC, il faut que tu aies un logiciel pour clipper, donc il faut que tu passes sur OBS ou sur ce que tu veux, bref. Ou sur une NVIDIA. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, tu dois les monter, donc tu dois les mettre à la suite, tu dois les mettre tes transitions et tout ça. Et après, tu les publies du PC. C'est pas la même. Genre, je t'explique, sur PS5, je prends mon clip actuellement là, j'appuie sur un bouton, ça me prend le clip. Je parle, j'appuie sur le bouton, ça me sauvegarde le clip. Je vais sur Share Factory, je mets mon intro, mon outro. Je mets ça sur YouTube, ça s'arrête là. Tu vois ou pas, le montage, il est rapide, efficace, pas cher. En vrai, ouais, c'est bien sur PlayStation. Et j'ai juste sauvegardé mon intro et mon outro. Je vais sur le logiciel de montage, je les rajoute, tu vois, à la vidéo, du coup. Ah ouais. Parfois, ouais, j'ai des transitions, j'ai des trucs à rajouter, mais pareil, les transitions, c'est deux clics. Elles sont déjà, je les ai déjà préparées d'avance, donc elles sont prêtes et tout. Et c'est ça la différence sur PC, c'est que... Bah si du coup tu dois reprendre un logiciel, alors apprendre à travailler avec un logiciel machin et tout, je pourrais le faire, mais je pourrais le faire tout en gardant quand même la PS5 de côté au cas où quoi. Au moins que tes vidéos sont rapides si tu veux faire quelque chose. C'est ça, donc si je passe sur PC ce serait que pour le stream, pour avoir un confort de stream un peu supplémentaire tu vois. Donc du coup que pour le stream de péter dans les 2000 euros ça fait quand même beaucoup je trouve. En vrai peut-être il y a Share Factory sur PC, je sais pas mais peut-être. Non mais je peux même passer l'image de la play sur le PC tu vois. Admettons. Ouais avec OBS et un boîtier. Voilà et faire et gérer quand même ça sur le télé sur l'ordi, faire un live PC et tout ça, tu vois. Le problème ouais, c'est que. Faut que. En fait j'attends de finir mon nouveau setup les gars. Regarde les grenades. Genre, je me suis dit aussi. Sérieux gros. Oh non. Moi j'en ai un à la maison en boîtier. Gros, je balance 4 grenades dans les mecs. Hein. Bien dans leur bouche. Aucun mec prend des dégâts. Il me balance un truc qui explose à la con là. J'ai 5 PV. Ah et Fortnite. Putain il nous capte ça depuis. Oh non, mais non. Je t'ai vengé, mais c'était bizarre. Ouais,
sérieux, gros? Putain, le spam de merde. Il s'est barré. J'arrête pas de prendre des dégâts inutilement, c'est bien ça, non? Ouais. Toi, tu m'as fait peur, Fallout, j'entendais des gens recharger des armes, je me suis dit que c'était un ennemi. Fallout, on le regarde direct, là? Ouais. Gros, je comprends pas. Je suis en stream, j'ai les options pour pas entendre les musiques copyright, et si je rentre dans une voiture, j'entends les musiques. C'est... C'est pas normal. C'est gavant, gros, ça fait des mois que je leur dis de faire... de corriger ça, tu vois. C'est pas comme s'ils avaient pas des signalements, tu vois. Je le signale depuis des mois et des mois et des mois, gros. Ils en ont rien à calfeutrer. Attendez-moi. Hop là. Ah, il est passé. Il faut que je me soigne après, les gars, si vous pouvez conduire par la suite. Quelqu'un peut conduire, là? Pas moi. Vas-y, tranquille. La zone passe à... Ouais, attends. En vrai, c'est compliqué, ça. Il y a un pad. Ah, les gars, je dégage. Aïe, aïe, aïe. Merde. Comment je vais faire? J'ai pas de kit de soins, c'est lourd. Si t'arrives à me rejoindre, j'ai un peu de... J'ai 15 PV dans le Medibrume. Oh non, il y a même qu'une terre dessus. Attends, j'arrive. Je suis là. C'est tout. Viens, on monte. Viens, on prend la hauteur. Ça va peut-être nous sauver. En haut, il y a peut-être un coffre là à la base. Qu'est-ce qu'on voit là-haut? Oh putain, on voit surtout un mec! Ouais, gros, attends, t'es sérieux, la balle qui m'a mis? Mais non, non. Je sais pas, franchement, je sais pas. Non, mais les lots, il y a un aspect. Vas-y, non, frère, non mais... Eh gros, je comprends pas le réflexe des gens, ils doivent être sur pucin. Non, tu sais quoi? Hop là, lui va se faire signaler instant. Alors, signalement, utilisation de nom de personnalité connue dans le jeu, c'est totalement interdit. Allez, hop, ça va être fait. Alors, faisons les choses dans l'ordre. Signalement, signaler un joueur non offensant. Voilà, accepté. Boxed by Zemmour, merci à toi. Un petit signalement a été envoyé, bisous. Frère, ça c'est les mecs sur PC. Gros, sur la souris, frère, t'as un... Ouais. À moins que tu sois en sensibilité 2.5 sur manette, chose que genre quasiment une personne au monde fait ça. Donc, le mec il a mis un coup de poignet avec sa souris, il m'a mis un one shot en 3-6, gros. C'est chiant, enfin, bref. C'est surtout quand il nous a vu dans la montagne, j'ai construit instant un cône, gros. Il y a deux balles qui sont passées à travers, j'ai pris tête. C'est trop. Ouais, c'est trop. Tête, c'est un peu trop quand même. Mais bon. Putain, et c'est... Attends. On en refait une, ouais. Donc pas tout le mot. Pardon ? On en refait une. Ouais, on peut rejouer une toute petite, là. Jusqu'à la boutique, après la zone... Enfin, jusqu'aux lignes de boutique. Après, on a les lignes de boutique, t'as... Et après, voilà, quoi. Banks. Qu'est-ce qu'il y a comme truc aujourd'hui ? Every day.
Bon, par contre, c'est marrant que je joue sur des... Ça fait 3 fois de suite que j'ai joué avec des trucs à moitié en rapport avec le corbeau. Alors, j'ai la Théo. On va aller voir, j'ai la Théo. Quand tu t'es... Elle a rien mis pour l'instant. Ouais, c'est à 23h plus. En gros, 23h01, 23h02, quoi, tu vois. Ouais, ou 23h05. Ça. Donc, faut être... Faut être à l'affût. Aujourd'hui, il y a le Hawkeye qui part. Ceux qui l'ont pas pris, bah manifestez-vous et prenez-le. Tellement c'est quand que le skin King Shark va sortir. C'est le requin de Suicide Squad. Bah, aucune idée, les gars. Vous me demandez ça comme si... Comme si ça avait des dates prévues, les gars. Je vous ai déjà dit des centaines de fois. On n'a pas de date prévue pour les sorties de skins. Sauf quand il l'annonce. Pas en retour, mais quand il y a une nouveauté. Quand il y a une nouveauté... Ils disent genre, ouais, ce soir, skin, ou genre, dans 2 jours. Pourquoi ma cam, elle fait ça, là, gros? Hey, j'ai un... La caméra, elle pète un putain de câble, parfois. Ok. Donc, quand ils annoncent ça, les gars, ça annonce, genre, parfois, allez, une fois par mois, il y a une annonce de skin. Mais vraiment, une fois par mois. Mais c'est pas un skin que vous attendez. C'est un skin, genre, un nouveau skin en collab avec quelque chose. Et parce qu'il y a une annonce officielle qui est faite sur Twitter, avec un trailer et des choses comme ça. Non, ils avaient leak les skins de foot en avance, quoi. L'Australie. Ouais. Là, par exemple, le skin Australie, il peut sortir soir. Mais ça, c'est pas un skin qui a une ligne spécifique à lui, tu vois. Donc, ça se trouve, il sortira en ligne à la une. Et du coup, on sait pas qui sort jusqu'à ce que la boutique change. Donc, je peux pas vous dire. Personne ne peut vous dire. Le skin Australie? Non, le skin qu'il y avait pour la cup, là, en Australie, là. Le, ah oui, oui. Le, comment il appelle déjà? Soigné, je crois, il s'appelle. Ouais, je vois. Et, du coup, bah, ce skin là il va sortir, mais vu que c'est un skin à genre 800 V-Bucks, c'est un skin qui va sortir discrètement. Genre, on va pas être au courant qu'il sort, tu vois, jusqu'à ce qu'il sorte en boutique. À la une, quoi. Ou... C'est ça. C'est toujours à la une, les trucs comme ça. Il y en a là-bas, je l'ai entendu, au milieu de la ville, je crois. Ouais, ça fait longtemps que j'étais pas allé à la du groupe. Il est réveillé de la main parce que je vois déjà qu'il crache des popos là, je sais pas où il est. Ok, je l'entends, il est vers Nizuki. Au milieu de la ville, vers toi là. Allez, putain. Ok, c'est bon, il est étourdi. Vas-y, vite, gros. Trop tard. Chiant. En vrai, il pourrait mettre le mode Thomas vs Burger, ça fait longtemps. Ah ouais, les gens ils le voulaient celui-là. Ça date maintenant. Ça date vraiment qu'ils l'ont eu celui-là. Ouais, ça date. Les gens ils le veulent depuis un certain temps. Every day a mama cry. On l'a pas eu Lama, on l'a pas eu. T'es content ou pas? On a failli. On a failli. Bah on a failli, mais voilà quoi. Des mini je vais aller surtout prendre un petit truc pour me soigner, moi, tranquillement. Voilà. On va monter, 3-6, on monte, 3-6, des balles, 3-6, PM, 3-6. Ah, un petit coffre qui me donne que dalle. Gros, c'était le pire coffre de ma vie. En vrai, sur PC, des fois, il y a des bugs, en gros, des fois, le jeu, il crache pour rien, mais il faut le relancer, tu vois. Ah ouais, ça c'est chiant de ouf, hein. Ça en vrai les gars, c'est pour ça après, justement pas, à part vraiment je croise les doigts, mais là ça fait des semaines, des mois que j'ai pas eu de crash sur Play, tu vois. Ouais. Parce que c'est bon, ils ont réussi à stabiliser le système et tout. Après il se peut qu'elle crash ce genre là pour rien, hein, parce que j'en ai parlé justement. Mais c'est tellement rare que c'est pour ça que la plateforme elle me plaît comme ça, quoi. Et changer de plateforme maintenant, ça me ferait chier, quoi. En vrai... Peut-être qu'en 2023, il y aurait des stocks de PS5. Voilà, j'ai entendu qu'il y avait des stocks et qu'en plus, il y avait des promos dessus. Mais je sais pas où.
J'ai vu ça sur le net tout à l'heure là. Il est low le mec hein. 35 encore. Putain gros. Wesh attends mais il triche gros. T'as vu comment ouais, il se déplace gros. Ouais. Wesh. Mais gros ouais. Comment il se déplace gros. Attends ouais, mais c'est une blague gros. Attends. Attends mais c'est quoi ça. Eh vous avez vu comment il s'est déplacé gros. Attends je vais le tuer. Attendez. Je vais limite aller en rediff après, ça m'a l'air intéressant cette connerie. Oh non. Mais le mec il est où, Nuzuki? Je sais pas, il s'est barré. Putain gros. Wesh, c'est quoi la tour Eiffel qu'ils ont fait là-bas? Wesh. Fallout, mets un point, Fallout, mets un point. Ah, je vois pas. Non, c'était un loup. Marc, ils ont pas de pise. En fait, maintenant qu'il y a les parts de pizza, les petites popos, ça sert plus à rien. Ouais, voilà. Tu te soignes avec une part de pizza et le shield et la vie. Donc, les petites popos, c'est non merci. Why? Comment il a pris aucune balle, gros. J'ai tellement bien suivi le mouvement du gars. Après, on va y en redire. Il y avait un mec par là, là. Bah, d'ailleurs, il est toujours là avec ses gants de Spider-Man. Il est en face, ouais, à gauche. Là-bas. Il est en Spider-Man en train de faire je sais pas quoi, là. Je vois pas. Bah il a dû remonter vers la dune. De toute façon il a dû aller chercher des cartes ou quoi parce que... Ouais parce que... Vu qu'il se déplaçait spécifiquement vers un endroit... Les gars il y a des petites... Ah bah tiens je le revois au loin là-bas. Putain. Qui est-ce qui calfeutre le Michel? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Mort. Je vais mourir. T'inquiète, Mizuki, t'inquiète. T'as un medkit là derrière. T'as un medkit là. Même pas. Mais ouais. C'est du 1 par 1 encore là, c'est pas. Ouais, comment j'ai survécu grâce aux gants de Spider-Man. Oh. Ouais, va rester demain, Zefrox, ça va rester demain la danse. En vrai, c'est cool. En vrai, elle est bien. Ouais, elle est bien.
Allez, on va vers Tilted, messieurs dames, ça va être la guerre. L'apocalypse. Every day. Hop là. Every day. Ah, il y a des gants. Ah non, c'est Tony. Apparemment. Ok, même ligne de boutique, et même le Hoka il était censé partir et il reste donc. Ah ouais. Donc, apparemment. Je vais aller en haut. Putain, il n'y a que des buis de fight. Attendez. Oh, c'est devenu trop technique, hein, le... Je sais même pas si j'ai envie d'aller me battre. Donc les catégories de boutiques vous ont été à l'instant transmises dans le chat par Buzz the Killer, qui nous a traduit tout ça bien fait. Salut agent fromage. Bah Mimi, vas-y, bonne nuit à toi, merci. Salut Seize. Vas-y, hein, je vais vite m'inviter à la fête, hein, mais en restant un peu caché derrière la dune. En vrai, c'est quand il ça va arriver à Yana comme moi. Franchement, on en sait rien. En vrai, en vendant. Mort. Il a beau avoir une grosse tête de marshmallow, il est quand même mort quoi. Ils sont là-bas les mecs, là dans la box. En gros, il y a trop de métal là, frère. Ils sont barrés ou c'est quand? Ouais, je crois qu'ils sont barrés. Hein. On les a perdus. Bon, bah, je vais prendre le pad pour aller en zone. Yeah. D'où le pad? Bah, de toute façon, vous êtes déjà quasiment en zone. Ok, il y a deux mecs là. Trois mecs, quatre mecs. J'ai pas de construit. J'ai pas de construit, j'essaye gros.
putain, mais frère, juste parce que j'ai pas un seul mur depuis tout à l'heure, je peux rien faire à part essayer de me taper contre eux, gros. C'est un truc de ouf. Toutes les balles que j'ai mis, j'ai un putain de pompe chasseur, toutes les balles que j'ai mis, c'est des balles qui les ont juste à peine chatouillées, gros. C'est incroyable. 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 C'est là où on a besoin du pompe, c'est là où en fin de game où t'as besoin de faire des dégâts, tu vois. Et ça passe pas. Aïe aïe aïe, salut Mini, ça va quoi? Bah écoutez, voilà les gars, ça s'arrête là. On a malheureusement pris quelques dégâts, ouais. Et on est mort, quoi. C'est comme ça, malheureusement. Malheureusement, voilà quoi. Putain, on les rush bien, je mets le putain d'alien en PLS, j'arrive pas à le terminer. L'autre, je lui mets 3 coups de pompe, j'arrive pas à la terminer, quoi. C'est si c'est décisif, ça veut dire qu'il y a 2 mecs en moins déjà. Et ben, je me retrouve pas en 1v4, tu vois. Ça change vraiment tout. Hein. Mais ouais, mais c'est l'esprit Fortnite, hein. C'est comme ça. Putain, et le micro, il me casse les genoux, frère. Allez, cassez-toi le micro. Parapapam, donc aujourd'hui boutique du 30 janvier, les gars. Déjà la fin du mois de janvier. Qu'est-ce ouais, que vous en voilà. Vite, hein. Ça passe vite. En vrai, ouais. Très très vite, les gars. On est déjà mois de février, ça va être la Saint-Valentin, on va peut-être avoir un petit event Saint-Valentin, etc. On est bientôt à 300 likes, les gars, je compte sur vous, merci à vous d'avoir été là, et d'être là, d'ailleurs, ouais, ouais. Il reste une heure de live. Merci Fallout, Mizuki et Karim à toutes, les gars, sur live. À tous. Merci beaucoup, c'est parti. Attends, il y a Fallout qui nous fait un cœur, je crois. Banks. Ah, voilà, un petit cœur, merci à toi, gros bisous. C'est parti. Demande d'accès, Banks, Fasher, Banks, Zekrom. Ouais, le mec qui courait vite en rediff, on va aller voir ça. Attendez, je vais vite fait voir ça du coup. Ça va quoi? Ça va et toi? Ça va, ça va. Attendez, le temps que ça se lance, je vais aller chercher une bouteille d'eau, je vais mettre la rediff. Vas-y, moi je suis le pire, j'ai la run. Tant bien. Le pire. Every day, let's go. Every day, mama cry. Let's go, les gars. Bonsoir à vous, Fasher, Zekrom qui sont là. Comment ça va, les gars? La street ou quoi? Personne me répond. Ces mecs-là, ils en ont rien à calfeutrer quand je leur parle. Laisse tomber, gros. Laisse tomber. Ça met bien l'ambiance, ces mecs-là. Tu m'as rien dit, gros. J'étais pas là. Qu'est-ce que tu me dis? J'étais pas là. Tu as dit ça à qui, gros? Tu recules. La live. Faut aller écouter. Mais gros, tu m'as... Bah voilà ce que je dis, j'étais pas là, donc tu l'as dit à qui, gros? J'étais pas là. Bah j'ai dit aux gens, et à Fasher. J'étais pas là, gros, j'avais pas le casque. Quand t'as dit ouais, je vais boire, je t'ai dit ouais, j'arrête. Ouais, mais j'ai enlevé le casque direct, moi. Ah bah, vas-y. Ah, attendez, je suis en train de mettre la rediff. Pourquoi tu veux la rediff? Alors, sachant que tu regardais pas trop le live, parce que t'étais en créatif, sûrement. Exactement, j'étais en train d'entraîner. Voilà. Voilà, donc t'étais en train d'entraîner alors toi-même t'as besoin de t'entraîner. Donc du coup, il y avait un mec qui courait très bizarrement sur la game. Genre, il se faisait téléporter à droite à gauche, tu vois. Et du coup, je trouvais ça à moitié cheatax, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, bah, du coup, je me dois de vérifier, rien que pour la science, je me dois de vérifier qu'est-ce qui s'était vraiment passé avec le bug. Il est là. Attends. Ensuite, ok. Okay. Juste un piment, c'était lui, voilà. Non, ouais, mais mec, un piment, mais quand le mec il passe de droite à gauche en moins de 3 cm, genre bang bim. Ouais, je pense qu'il avait genre 1 milliard de ping. C'est lui là, attends. Ouais, mais ça se trouve, il a eu le du ping, frère. Je me mets en vitesse normale, donc c'était lui là. C'est très bizarre, gros. T'es en 1 là? Ah ouais. Regarde. Attends, je vois sur toi. Attends, là il était normal, mais à un moment, attends, c'était pas là. C'était pas là, c'était avant. C'était avant. Ton live à toi. Ouais, c'est ça, il faut que je vienne sur mardi. Gros, c'est un bug de ping. Ah, mais je te dis, gros, il était vraiment, mais vraiment pingé, le Michel. Il a... En fait, genre, de manière genre, il s'arrête 2 secondes et après, je vais couper ici. Voilà, attends, je vais remettre en arrière là. Mais Tommy qui me demande de rejoindre, tu veux que je l'invite? Bah ouais, vas-y. Attends, je vais me mettre encore en arrière. Je vais m'en mettre en 1.
Ouais, c'est lui là. Là, on va bien voir sur ma PO Vaïch gameplay. Regarde au fond, attends. Regarde, il s'arrête. Ouais, regarde, voilà, c'est là, là. Il s'était TP genre deux fois, à droite et à gauche, il faisait des accélérations, gros. Et à cause de ça, on l'avait pas tué. Ah ouais, non, mais non, vas-y, ouais. Bon, bon, après, vous pouvez me dire que c'est du ping, mais vas-y, gros, t'as du ping, c'est lui qui a du ping, c'est pas moi qui ai du ping, hein. Moi, je suis censé le voir fuite, le mec, hein. Tu vois ou pas? C'est trop bizarre. Du coup, mais c'est qu'il y a des mecs comme ça qui jouent, ils se mettent en 1000 de ping exprès. Et du coup, t'arrives pas à les tuer, mais eux, bah, ils galèrent à te tuer aussi. Mais du coup, c'est bannissable, ça. Ouais, il y en a, ils font... Bah après, c'est un peu con, de se mettre à 1000 de ping, déjà, tu gardes... Non, mais ils font un truc exprès, c'est genre ping pour eux, pour nous, mais pas pour eux et tout. Il y a des mecs qui utilisent des logiciels bizarres. Bah, ouais, Buzz, ouais, après, chapitre parce que là, du coup, il y a tous les bugs là qui sont là. Chapitre 1, quand tout le monde faisait... Quand c'était rare, mais tu sais, quand les gens faisaient le glitch avec le quad et tout, tu vois, les méchants, tu vois, tout. Oh, ouais, ça, ouais. Sinon, avec le snipe, genre, le mec, il se mettait derrière lui, il allumait tout le monde, il mettait fou. Moi, j'avais entendu parler d'un problème de ping à l'époque, en 2018, donc vraiment début d'année 2018, donc juste avant la saison 3, quand il y avait les toutes premières histoires de gens qui commençaient à jouer un peu, genre les tryhards, les mecs ils se branchaient en 4G, en partage 4G de téléphone, et ils mettaient un logiciel, je sais plus lequel, j'avais entendu parler d'un truc comme ça, et ils branchaient avec un régulateur d'internet pour que le ping soit assez élevé, pour que les gens en face ils te voient bugger et TP à droite à gauche, mais que toi tu puisses gérer assez le game sans avoir trop de ping. Genre c'était un régulateur de réseau, tu sais. Et du coup, tu pouvais jouer avec la connexion, genre baisser ta co ou monter ta co, dépendant de comment tu voulais le rendu un peu sur les games, tu vois. Mais c'est enfin, ouais. C'est sympa. Non, mais enfin, c'est complètement con, gros. Je sais pas. Parce que gros, les moments, si je veux que tout le monde pense comme toi, je serais déjà ban, gros. Oui, bah. Après, eux, ils savent détecter les logiciels tiers ou pas. Hein. Ils savent détecter si c'est la co qui est partie en zipette. Ou si t'as des trucs frauduleux sur ton... Parce que c'est du codage, hein. Donc le codage, gros... Quand ils voient codage réseau faible, bah ils voient que c'est codage réseau faible. Il y avait pas écrit... je sais pas quel nom de logiciel en train de réguler la co ou je sais pas quoi. Tu m'as piché comment les bugger? Bah j'ai pas eu le temps de regarder, désolé. Désolé. En fait, je l'avais mis en aléatoire la pioche, t'avais pas vu qu'elle était buggée. Ah ouais? Ah ouais, c'est une pioche qui tient deux mains et on la tient une main. Ah, le marteau? Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai vu quand je jouais, mais après on est mort et j'ai même pas commenté en fait. J'étais en train de taper le mec à terre là, en train de le piocher, et j'ai vu qu'elle passait d'une main à une autre et tout au lieu de. Bah, au lieu d'être tout simplement un marteau à deux mains. Alors non les gars, ma Black Widow elle sort pas ce soir, hein. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle sortirait, j'ai juste dit on fête l'anniversaire de la Black Widow, j'ai pas dit la Black Widow sort ce soir avec 1 milliard de V-Bucks en cadeau. Je vois pas le raccourci que vous faites, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la boutique de cette nuit? Bah il y a tout ce que j'ai mis en onglet communauté comme tous les jours, vous pouvez aller regarder, ligne à la une, quotidienne, il y a les mêmes lignes sensiblement qu'aujourd'hui. Sensiblement, ça veut dire qu'il y a peut-être quelques petits degrés de changement, mais voilà. Oh, et puis les gars, c'est un truc de ouf, c'est que vous me suivez tous les jours. Je vous mets tous les jours à 23h les lignes boutique dans l'onglet communauté, mais tous les jours vous venez sur live demander qu'est-ce qu'il y a dans la boutique. Et du coup, pour éviter de me répéter, bah je vous invite à aller regarder dans l'onglet communauté, quoi. Parce que sinon, ça sert absolument à rien que je prépare les trucs dans les onglets, dans les Discord, dans les... Ça sert à rien, du coup. Tout ce que je fais pour vous, ça sert à rien, parce que il suffit qu'en gros, je le répète 1000 fois en live. Mais c'est con de le répéter 1000 fois en live. Ouais, la base. C'est... Je sais pas, juste vous prenez 3 petites secondes, vous cliquez dans l'onglet communauté de la chaîne, ça vous prend 3 petits clics, et vous regardez, tu vois. Je vous le mets, si vous voulez, là, parce que... Every day. Il faudrait que je m'achète un pad stream et que je mette des raccourcis, tu vois. Un raccourci pour l'onglet communauté, un raccourci pour le code créa, un raccourci pour ci, un raccourci pour ça. Parce que si. Parce que moi je joue manette sur la play, mais sur le live il faudrait que je gère ça, tu vois. Pas de complot.
Si, j'en ai un, moi. Bon, après, j'en ai trouvé un, j'avoue que j'ai pas trop fait exprès. Bouh, Théo. Franchement, Théo, là, t'es un sacré farceur, Michel. Tiens, je vous mets l'onglet communauté de la chaîne, si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas l'onglet communauté de la chaîne. Je vais mettre link boutique. Ah, il y a le Ramu. Que les skins quoi? Parce que Tommy il a parlé. Genre, t'as vu quand il y a des skins qui font du jour, je pensais pas que genre, les gens en parlaient. C'est pour ça que je t'avais posé la question. Ouais, non, aujourd'hui sur le réseau, déjà la première chose que j'ai vu quand je me suis réveillé ce matin, c'est les liqueurs qui disaient aujourd'hui anniversaire Black Widow. Après, plus la journée est passée, plus les gens ils disaient genre n'oubliez pas qu'aujourd'hui ça fait 1000 jours que la Black Widow est sortie. Et oubliez Black Widow, et au bout d'un moment, je dis bon bah. Pour ceux qui sont pas au courant, je vais leur dire, et en même temps, bah, ce sera le sujet principal de mon live. On va faire Happy Birthday. Et sur un malentendu, bah, les gens qui l'ont, ils vont pouvoir le ramener et le montrer, quoi. C'est bien ça. Bah, moi je l'ai bien. Hein. Si on est lassé, normal. Non, c'est même pas une question que je me suis lassé parce que. Il l'a acheté par défaut et il a le skin par défaut. Non, clairement pas, gros. Je me rappelle quand il est sorti, je me kiffais d'ouf, et j'ai demandé à ma dame, c'est pour mettre genre 30 balles, 20 ou 30 balles des loups pour l'acheter. J'avais tout acheté, genre la pioche et la danse, ouais. Le skin. Et après, je crois que je jouais pendant une semaine, deux semaines. Et voilà. Ouais, après, t'avais été gavé, quoi. C'est stylé ici sur Play, là. Où ça? Le soleil. Je sais pas, ici, là, il y a de la brume et tout. Ouais, la brume, soleil, là, bizarre. Toi, t'as pas les modes, t'as pas la pioche, t'as rien, t'es bon. Bah, à cette époque, j'avais rien pris puisque j'avais. Je crois que j'avais pris je sais plus quoi de Star-Lord. T'as pas les mods là? Ah ouais. Non, en fait, Black Widow, je sais pas pourquoi. J'avais pris un truc qui était. Il me faudrait que je regarde la boutique que j'avais tournée à cette époque parce que je me rappelle qu'il y avait autre chose que j'étais en train de. Que ça m'avait empêché de l'acheter, tu vois. Et ils cassent la tête avec leur putain de bottes de merde là. De putain, gros, j'ai serré là. En ce moment, en live, il y a que des trucs russes bizarres et tout qui me rush le live avec des sites à la con là. Casse la tête, gros. Ça, c'est relou, ça. Ça fait deux messages que je t'envoie et tu réponds. Pas. Alors, je réponds pas. Gros, t'es la seule personne à qui j'ai écrit le nom sur le live avec un cœur quand même. Donc, c'est assez bizarre. Tu t'appelles Chris et j'ai écrit Chris avec un cœur. Chris, c'est toi, Michel. Je suis désolé, hein. Donc je t'ai répondu et en plus je l'ai écrit, chose que je fais pas souvent parce que je lâche pas la manette et là je l'ai lâché pour toi, gros. Gros bisous sinon, hein. Gros bisous. Oui, c'est censé être gentil, mais chaud. Bah il me dit qu'il aime bien mes vidéos et tout ça, donc j'ai trouvé ça gentil et pour le coup j'ai répondu à l'écrit parce que bah c'était gentil, tu vois, donc je lui ai fait un gros cœur et tout à l'écrit. Mais il a pas dû voir et du coup il m'a répété, il dit il était triste que je lui réponde pas, mais je lui ai répondu pour le coup. Même, je crois que c'est la seule personne à qui j'ai dit le prénom à l'écrit aujourd'hui. C'est un mytho, là. Bah, j'ai pas écrit le prénom de qui que ce soit d'autre aujourd'hui. C'est un mytho, je suis rien écrit. Enfin, ah, t'inquiète, Chris, hein, il faut que tu regardes les petites réponses, histoire de... Comme ça, t'es pas triste, tu vois. Y a Tommy qui est en train de se faire Spider-Maniser, là. Ah ouais? Carrément. Mais gros, ah ouais, il me dit, ah ouais, ça fait au moins 1000 Spider-Man qui lui tournent autour, frère. Mais gros, y a 3 ou 4 Spider-Man qui ont fait le tour de sa tête, tu sais, il a... quoi. Ouais, je suis en train de dormir, moi, sur TikTok. Ah non, même pas, du tout. Je suis là, je suis en train de faire mes petites balades. Je fais même pas attention. J'ai une petite visite guidée. Encore un autre. Les gars, ça fait... Il y a un gros truc de shield et tout. Putain, mais gros, encore un Spider-Man, frère. C'est quoi, c'est la putain de c'est le troisième mec de la même équipe qui arrive en Spider-Man. C'est Castel. Crack, presque crack. Il est presque crack, hein. Y'en a un sur moi. Et KO. Derrière, les gars. Ah gros. Non, j'ai pas de construit. T'inquiète, j'arrive. Sérieux, gros, non. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, gros. Pardon.
sérieux gros. J'ai un pompe chasseur. Le pompe chasseur, je tape un 20 et lui il me tape avec un tactique, il me tape genre. Frère, allez, grosse blague. Bref, on va pas épiloguer, c'est Fortnite. Non, les gants. J'ai des. Oh, je vais mourir. Bah voilà. Mais non, je vous allez pas mourir, j'ai genre je sais pas combien de splash. Hein. Bah reviens pas en arrière gros, commence à continuer à avancer. Mais si tu mets des splash comme ça. Non mais enfin pour mettre des splash faut que les gens ils se réunissent. Bah justement. Y'a toi et Tommy, mais Tommy c'est bah vas-y tu sais quoi, viens Facha. J'en ai pour moi. Parce qu'ils sont. Oui mais c'est ça le problème, c'est pas il y en a pour toi, on joue à 4 gros. Sinon je les aurais mis pour moi, je me serais barré en mode vas-y les gars, bah crevez hein. Tu vois ou pas? Genre là t'avais Fasher et moi on avait rien. Et toi du coup tu t'es barré avec les splash. Imagine du coup on meurt derrière. C'est ça le truc, c'est j'en ai pour moi, vous inquiétez pas, bah. Et t'as 3 mecs derrière, tu vois, en zone. Eh ouais les gars, ben ouais, je vous dis ça tout le temps, le créa c'est pas. N'est pas en berre. Oui mais c'est pas moi qui en avais besoin, c'était Fasher gros. C'était Fasher. Mais oui parce que vous jouez individuellement. Et je le remarque clairement, gros, entre ceux qui jouent avec moi toute la soirée et quand vous me rejoignez après votre session créa, je le sens, mais de ouf. Mais vous en rendez pas compte, parce que pour vous, c'est normal, la façon que vous jouez. C'est normal, hein. Ouais, non, bah oui, parce que votre façon de jouer, pour vous, elle est normale. L'individualisation, là, bah ouais. Regarde, comme là, gros, tu mets des splashs, regarde, ah, frère, regarde, moi, il est fâcheur, gros. Tu vois ou pas ce que je te dis, gros? Aïe. Là, regarde, là, j'arrive, tu sais quoi, regarde. Hop, là, je vais mettre un petit splash. Ah, Fasher, désolé, j'ai pas vu. Tu vois, enfin, c'est complètement con, tu vois. En plus, on dit ça depuis... Mec, toute la conversation, il tourne autour de ça. Le fait de mettre les splashs à tout le monde. C'est pas grave, hein, mais... Ça peut jouer in-game, hein. C'est pour ça que parfois, on meurt. Mais attention, je dis ça à titre indicatif, hein. Faites ce que vous voulez, les gars. Wouhou, wouhou. Qui mort? Attends, quoi, vous parlez d'alligator là? Sur le game, sur live? Attention, ça brûle, hein. Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai dû bifurquer à gauche. Et la bifurcation à gauche. Putain, vous êtes des gamins, frère. Je vais vous prendre des coups. Saria là a-t-il le T2? Oh, le gamin. Everyday. Y'a un Spider-Man qui rush les mecs de Réa, je crois. Pas sûr, mais. Il y a la main en sueur. Non. Qu'est-ce que t'as fait, écran? Vas-y, frère, je me prends des lasers. Oui, ils sont chiants. Bon, j'ai 4 mecs autour de moi là. Je vois ça, t'es le mot. 30. Je vois 30. C'est qui a des. Tommy, t'as des splash un peu? Non, tu mets tous ensemble. J'en ai deux. Bon, pas besoin. Merde. Je le couche. Comme ça, on le rejoint. T'as un autre mec qui le rush. T'as un autre mec là-bas. Go, y'a trois équipes différentes. Hein. C'est. Couché là-bas. Là-bas. Putain gros. Incroyable. Quand t'es en blanc. Je suis obligé d'aller dedans gros parce que j'ai pas pris d'air depuis le début là. Ouais moi aussi. Attends, y'a un mec qui vient de se casser la gueule là. C'est quoi ça? Ça roche. Maintenant c'est des gens qui sont longs. Mais attends, mais là y'a une... Attends mais... Oh. Putain, attends, mais là t'as une autre équipe là. Je comprends rien. Ouais, le... Attends, mais ouais, vous êtes monté à combien de kilomètres de haut, frère? Oh, je suis resté en bas, hein. Oh, il s'est cassé la gueule, Zekrom. Ouais, je l'ai fait tomber. J'ai toujours... Crac. Mais comment? C'est un forceur, hein. C'est un forceur, gros, allez. C'est bon, je passais. Toi, tu m'as fait peur derrière.
Je vais prendre une AR, gros, parce que ça me saoule. Ah, c'est taille. T'as un tir derrière. Ça, le snow, la montagne là-bas. Le forcing est permanent, bonsoir. Mais ouais, t'es le moment quand. En fait, l'autre il était trop chaud, du coup j'ai repris la hauteur et. Je faisais que descendre. Ouais, parce que moi là-bas je le suivais, mais après y'a un autre mec qui m'arroche. Et. Excusez-moi, j'ai mis les splash tout seul. Tiens, Tommy. Sinon, y'a pas un petit chasseur normal là, parce que tout à l'heure, les grilles. Y'a là devant toi là. Je le voyais par la fenêtre, j'hésitais à le regarder. Vas-y frère, ils rendent fous là, les gens dans la commune. On est pas en 2017, hein, les. On est pas en 2017. Faudrait qu'on taille vers la zone parce que là c'est trop. Là. Il y a un bateau. Je vous invite. Est-ce qu'il y a un requin? J'arrive. Désolé, ouais, je tourne, Tommy, bien. Histoire de pas crever. T'inquiète. Deux secondes, deux secondes. On va aller là. Tu vois le rocher là? Ah ouais. Il t'a arrêté cette merde. Mais gros, à la base, je monte mille fois sur ce putain de rocher. Non. Je vais récupérer la pile. Allez-y, allez-y. Allez, Tommy. Merci. T'as des mecs qui arrivent à gauche. Devant nous, devant nous, devant nous. Tu le laisses pas respirer, tu le laisses pas respirer. Vas-y, vas-y, Tommy, on reste là, on reste là. Ah, il est mort. Mais gros, mais qu'est-ce que je fais avec mon bateau de drift, là? Moi, je me casse, moi, je vous aime plus. Hop. Non, je déconne, je suis en haut de la montagne. Ah, il y a plus d'essence. Bon, bah, je blé, comme on dit. Il y a des mecs qui arrivent en PLS derrière, hein, hors zone, là. Là, là. Moi, je suis une de ces brumes trop stylées que je vois, là. Ah oui, si, si, il y a des gens. Crack shield. Là, il est Fasher, il a plus de vie, hein, le mec. Hein. Aïe. Non. Aïe. Aïe. C'est vrai qu'il y a ça, j'ai oublié. J'aurais pas joué comme ça. Gros, on l'a harcelé. Michel a harcelé. Je vais vers Fasher, les gars. En fait, j'ai pris le truc du Spider-Man, mais ça m'a. Il y a une Pardon. Mec, t'as vu le filou, gros? Il venait pour te finir, gros. Les gars, ils vont me rush, ils vont me rush. Cover, Bendero, cover. Je peux rien faire, il y en a deux sur moi. Ok, ok, j'arrive. Fasher, t'as de la vie ou pas? Ok, je suis là. Ouais, non. Après, c'est juste des dégâts de chute. Tiens, viens. Ah, ok, parce que j'ai du splash, moi, j'ai du splash. Y'a un mec qui arrive. J'ai pas. Ah, ils sont deux, je crois. Ah, désolé. Hop. Allez, j'ai deux splash. Tommy, t'as du shield, ça, je crois, sur ta loupe. Ouais, j'ai senti, enfin, j'ai deux gros. Allez, t'es mort, quoi. Mort. Hop là, voilà, gros, t'as dit vas-y sur Telmo. En fait, j'ai clairement pété les deux derniers. En fait, y'a l'autre là, je sais pas ce qu'il faisait. Du coup, je l'ai tué. Et après, y'a l'autre, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me laisser. Bien joué, bien joué, les gars. C'est qui là? Bien joué, hein. 4 kills, hein. Carré. Non, en vrai, bah rejouons, les gars, rejouons, franchement. C'était un peu rush, hein, quand même. Un peu rush, genre pas trop réfléchi, mais vas-y. C'est Fortnite, hein. C'était intéressant. Toujours comme ça, tellement. Mais je sais, mais moi à la base, ça me dérange pas. Hein. C'est juste, tu sais, t'as l'impression que la game là, j'ai pas du tout compris que c'était un top 1, tu vois. Moi là, pour moi, il y avait deux mecs et j'allais me barrer vers la zone, tu vois. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bon, après, c'est bien. Mais en fait, tu me disais bien sur moi, en fait, il y en avait deux. En fait, j'entendais un pas, mais c'était l'autre qui était sur toi. Le mec que je viens de tuer là à la fin, il était accroupi en train d'essayer de tuer Fasher qui était déjà mort. Ouais, les gars, c'est vieux gars. Je sais pas ce qu'il fait, il tapait une glissade, tu vois. Ouais. Il s'en foutait, il voulait juste. Bah, du coup, je l'ai mis. Par contre, je crois que vous êtes en game. Attends. Par contre, putain, ça fait 3 victoires que je fais et aucune avait une couronne, quoi. Je suis en train de perdre des victoires couronnées, quoi. Franchement, je suis en train de. Oh là là. Bah, moi, j'ai tué les deux mecs, les deux derniers, ils avaient une couronne, mais j'ai pas ramassé les couronnes, tu vois. J'avais autre chose à faire. Ouais,
Hier j'étais à 14, là j'ai 17 victoires. Pas mal hein. Moi j'ai un gros Dionysie si jamais tu veux savoir. Ça te va bien en vrai un peu. Il me ressemble un peu en loose axe. Ouais. Par contre attends, je vais rajouter un accessoire de dos, ni plus ni moins que le même accessoire qu'il a dans la poche. Ah c'est vrai, ça passe bien. Je sais pas où il est. Hey. Là voilà. Vous avez et en même temps dans les poches un sac de frites et en accessoire au dos. Un sac de frites, mais ouais man, il fait du ski lui, il bouffe des frites. C'est cool. Regarde. Il fait du ski en... Attends. En claquette un peu. En aussi. Claquette chaussette le mec. Je vais mettre un... Pas... Mettre un petit bail. Ouais. Voilà, regarde. Y'a pas de chaussettes. I like to move it, move it avec son gros bide. C'est très intéressant ce qui se passe. Frites ? Oui, M4X, frites. On parle de frites. Tu peux venir si tu veux. Ah, une de ces dalleuses, celle-là. M4X, la dalleuse. Bada bang, bang, bang. Bada bing, bang, bang. Doum, 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 doum. Des fois, gros, le seul moment où je fais des BR, des fois, j'ai des couronnes, mais je les prends jamais. T'es nul, gros. Non, ça, c'est moche. Tantadam, tantadam, tantadam. Je m'en fous un peu des couronnes. Meilleure danse quand même, celle-là que Tommy fait. Gros, c'était quand même la danse, quoi. C'était la danse. Saison 6, c'était flamenco. Ouais, le flamenco était carré avec la meuf un peu à... Genre western. Ouais. Franchement... Même à la fin, t'avais le lican et tout, le gars. Carré, quoi. Le lican et tout, franchement. Surtout un glitch pour avoir 50 étoiles d'un coup. Je me rappelle, j'étais en Suisse en week-end et moi, je voulais rentrer et je l'ai pas eu. Et mon pote qui jouait jamais, il avait eu le pass et tout. C'était pas un on glitch. Était trop vénère. Non, il y avait un défi qui donnait, au lieu de donner 6 genre étoiles, il donnait genre 60, ouais. Tu vois, genre un bug. Et du coup, moi j'ai passé les derniers paliers qui me manquaient, genre c'était au moins 30, je crois. Bah, moi non, après les 30 paliers, j'ai dû attendre 3 semaines pour les passer. Et mon pote, lui, il avait le faucheur, il était en train de se la péter et tout. Et moi, j'étais là en train de jouer avec. Mes pauvres skins là, que j'avais pas en plus. J'avais aucun skin à l'époque. Mais bon, c'était intéressant. Où est-ce qu'on va, les gars? Waouh! 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 Vas-y, on fait le même spawn. Il est carré ce spawn. Il est bien. Ouais. On a quand même filé à l'opposé de la map. Moi j'aime bien ce spawn en vrai. Moi j'aime bien. Bon, c'est choisi tout le temps soit lui, soit le cuddle. Et au gros, on a fait le spawn où on va atterrir et cheat-head à l'autre, frère. C'est bon le vent. Guaren, quoi gros? J'aime bien quand vous faites aucune phrase. C'est comme si le matin je disais salut, prêt? Toi tu quoi? Qu'est-ce que, de quoi? De près de quoi? Je dis bah. Et moi des fois ils te sortent. Ouais, ils sortent. Ouais, mais salut, prêt? Ouais, prêt. Prêt de quoi? De prêt? T'es prêt? Non, t'es prêt? Non, qu'est-ce qu'il y a gros? Là tu dis Guaren, ok. Guaren, mais avec un point d'interrogation. Genre c'est une question ça, tu sais. Et moi je dois répondre quoi? Genre peut-être? Ou genre demain soir? Imagine c'est midi. Là il dit midi, manger. Manger, non, boire. Allez, ciao. On dirait c'est le jeu là qu'il y a sur France 2 où tu sais le mec il dit cacahuète et l'autre il dit genre orteil et fait ouais bravo. J'ai dit un jeu comme ça là, comment ça s'appelle Comment il s'appelle le truc là? Il faudrait que je trouve le mot parce que ce jeu là il est hilarant. Ils sont trop chauds les gens qui voient ça. Ils doivent trouver un mot mais ils peuvent pas dire le mot qui a la. Un truc de la même famille, tu sais. Du coup, ils doivent trouver barbecue. L'autre, il dit genre. Il peut pas dire merguez, tu vois, parce que c'est trop. Donc, le mec, il va dire genre feu. L'autre, il fait genre cheminée. Lui, il fait convivial. Et il fait barbecue. Ah, oh, bravo! Bravo, bravo! C'est un truc vraiment gros. Je sais pas comment ils font. Michel, l'ennemi. Ah là là, c'est Motus. Ouais, c'est Motus. C'est exactement ça. Motus. Allez, je me casse ici parce que Zekrom veut me brûler le fiac. Mais c'est vraiment pas moi. C'est Tommy. T'es genre, c'est une. T'étais clairement dans la baraque, gros. Moi? Allez, je me casse d'ici à la neige, moi. Mais la tête de ma mère, prends une fois, c'est même pas moi. C'est Tommy, c'est Tommy et toi, de toute façon, vous avez le même problème psychologique, toi et lui. Eh, hey, pour une fois. Tu vas me faire. Vas-y, tu vas me faire chier, ouais. Vas-y, on va voir. Mais c'est pas toi, c'est Tommy, j'ai dit. Qu'est-ce que tu continues, là? Ouais, mais tu dis. Ta tête, toi.
Avec ta tête, gros, regarde, regarde comment j'arrive là pour venir te, te voir là à travers, la, à travers le mur. Coucou. Je viens livrer des frites là. C'est ici les frites. Gros, imagine livreur à ski. C'est un livreur à ski, gros. Salut. Non, mais vous avez abusé, frère. Laissez-moi. C'est fâcheur là. Ouais, mais en plus, le truc il se prend pas. Attends, comment je peux brûler si le feu il est même pas encore là où je suis sorti de la baraque, gros? Regarde, le feu il est pas là. Regarde, le feu il est pas là et j'ai brûlé, gros. J'étais là, gros. J'étais en train. Vas-y. Ah, j'ai une boisson. J'ai une boisson, mais je comprends pas. Le feu il s'est propagé à là où je n'étais pas. Pff, vas-y, gros. Ce jeu il est. Il a rond le codage. Je pense que dans le codage il y a écrit faire chier tel mot. Et la tête. Moi, j'aurais demandé ça, et la tête d'un merde, je viens de trouver un de ces trucs, frère. C'est une bonne idée en vrai, ça. C'est bien. Comme une prochaine vidéo. J'avoue, ça serait kiff. Genre, tu sais, on peut tuer que tel mot. Eh, s'il y a ça, gros. Ouais, s'il y a ça, ouais. Allez, allez. Imagine, voilà, imagine, Zekrom, imagine. Ouais. Voilà, t'as imaginé ou quoi? J'imagine. Bah voilà. Ah, mais non. Oh, t'es mot, imagine, y'a plus Fortnite, gros. Tu fais quoi en vrai? Je respire un peu. Je sors dans la rue. Je respire un peu, un bon air frais, tu vois. Faire des lives Minecraft, gros. Bah, je fais des lives où je respire de l'air frais, frère. Les gens vont me faire waouh! Genre ça existe de l'air! Imaginez, genre Fortnite aurait jamais existé! On fera autre chose. Je serais clairement en week-end là actuellement, en train de penser au fait que lundi je serais sûrement en train de retourner au boulot, faire un boulot forcément que j'aurais pas trop aimé. Qu'avec Fortnite, bah je croise des gens que j'aime bien, j'ai une communauté sympa, je fais un métier que j'aime bien. Je suis fatigué, hein, d'accord? Parce qu'il y a certains soirs où je suis fatigué, mais dans n'importe quel autre taf, j'aurais été fatigué, donc autant être fatigué pour un truc que j'aime bien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comme ça, Temo, il ne devra pas dessus. Un conseil. Ah, qu'est-ce que vous faites là-bas, vous? Ah, mais sérieux, toujours en train de se loot? Ouais, vous faites quoi là-bas? Bande de mecs qui jouent au créa. En plus, t'es sur clavier souris. Ah ouais. C'est quoi, je vais m'acheter un clavier mécanique. Et je vais faire une vidéo fake, genre à la Ludo, tu sais. Où je fais une vidéo et je fais. Je fais croire à mes abonnés que je joue clavier souris. Alors que j'ai une manette dans les mains. Sur ton live, là. Je sais, et alors, Jean-Fils, bisous. Il est passé tout à l'heure, le mec, il a dit. Tu sais, il a dit quoi? Go top 1 et il a disparu. J'ai regardé dans les participants du live, il était là, d'un coup, son nom il a fait loup, effacé. Ah ouais? Bah il est venu, il a dû faire tous les lives de... Tu sais, c'est ce genre de mec, je pense, c'est pas... Voilà, et c'est un mec qui passe sur les lives pour montrer son slip, en mode genre, pour que les gens disent « Ah, oh, Jean-Fils !» et tout. T'sais, bah comme d'hab, t'es genre « Ah, oh, Jean-Fils !» Comme si... Quoi, Jean-Fils? Ouais, Jean-Fake, ouais. Ouais, j'en fiche s'il veut, mais enfin, c'est. Ce que je veux dire, c'est que ça sert à quoi? Si t'arrives sur un live et que tu juste salues et que tu te casses, juste pour montrer ton nom, ça sert à rien. T'es. Si je fais top 1, je. C'est cool, il y a des défis top 1. Je ferai un mec solo. Si je fais top 1, je sors la mallette à V-Bucks. Crac. La mallette à V-Bucks avec 3 faux V-Bucks. V-Bucks dans les yeux, gros. Mais gros, mais il fait quoi? Il fait quoi? Il me rush moi alors que c'est... Gros, attends, t'as vu ou pas? J'étais là, en train de le regarder, il me rush. Allez. Regarde-moi encore, tu vas mourir par l'écran. Gros, il me regarde, je suis depuis tout à l'heure en train de... Il me regarde, ce con. Il me regarde et toi, tu l'as tué. Je viens après la guerre, vraiment. Mais en fait, gros, j'ai pas compris, je voulais le chercher. Je vois un mec avec une grosse touffe, me dis. Ouais, c'était sa grosse touffe carrée là, bizarre. Ouais. C'était le mec de Street Fighter là. Ouais, mais moi je cherchais l'eau, c'est parce que j'avais mis l'eau. Ouais. Vous avez des bols de pub ou quoi, s'il vous plaît? Ouais. Salut Sarah, comment vas-tu? Salut Nina, salut Stanislas. Salut à tous. Des tranches de là-bas, ouais, clairement. Bah non, à chaque fois qu'on tue un lama, on devrait avoir de ces jambons de lama là, pour graille.
Des jambes par de là bas. C'est moi ou vous essayez de m'enflammer ces enflures de premier degré? Moi je pars mon bois, moi je me concentre. C'est ça ouais, gros mytho. Georges Mytho on l'appelle. D'ailleurs le mec quand j'étais en train de le rush, j'étais vraiment en train de te regarder. Bah oui. Et en plus, tu sais, je le visais, tu sais, je sais pas, mais je lui tirais pas dedans. Et non, il me regarde vraiment bloqué, quoi. Avec ses gros cheveux. Frère, c'est la putain de game, la seule game où il devrait pas y avoir des flambeurs, et c'est la game où j'ai que des flambeurs, pour qu'on me casse les pieds. On a arrêté de faire le con de nous disperser avec les flambeurs ou quoi. Parce que ça se trouve, il y aura des gens. T'es moi, pourquoi tu es du côté de la zone? La seule question, c'est pourquoi vous me suivez vers le côté de la zone? Je sais pas, moi je te suis. Toi, tu fais des acrobaties ou quoi là? Gros, tu connais bien le BR, ce qui est possible. Ouais, mais justement, aller dans la zone, c'est dangereux. Moi, je t'explique un truc. Moi, je t'explique un truc. Moi, le maximum que je. Regarde, écoute. Regarde la zone. Déjà, on a vu un corbeau disparaître ici. La zone est comme ça. Ouais. La zone, je suis entre la zone et la tempête. D'accord? On va se mettre ici pour discuter autour de cette pelle. Comment tu t'appelles? Hop là, petite blague. On a toujours, moi, mon placement, c'est au bord de zone, ou aux alentours de la zone, entre la tempête et la zone. Okay. Pendant que je suis là, j'ai soit les mecs de fin de zone qui vont se rabattre sur moi, mais ils sont en PLS, donc c'est pour ça que ça me fait des kills faciles. Ou alors... Je suis pas dans la zone et je me prends pas les mecs hors zone dans la gueule parce que je suis déjà en train de me battre dans la zone avec des mecs. Donc pour l'instant ici je suis en neutre. Et quand la zone elle va partir, je vais toujours attendre qu'elle parte genre 10-15 secondes pour me rabattre vers la zone. Mais arrête les mecs 2 secondes. En vrai j'ai pas écouté gros. Vas-y frère, allez frère. Et ils ont... Petite question, comment je vais aller en zone là? Bah, je vais en zone parce que regarde, si tu es intelligent et que tu regardes le live, je suis le seul mec ici qui est par exemple, genre je sais pas combien de clombets dans mon inventaire et vous avez tous crevé avant moi par exemple. Et on fait comment du coup? Non, moi c'est des gants, j'ai ça moi. Ouais, t'as des gants et ça dans la zone ça te soigne pas et les gants, tu te casses et quand tu te casses, je passe bangs. Bangs! Bangs! Bah, tu mets les splash comment? Si tu me touches avec les splash, je meurs pas. Bangs! Ensuite, Tommy, t'as quoi comme de solution toi pour le coup? Ça marche pas dans la zone, bangs! Ok, bah je crois que je l'emporte sur ce coup-là. Aïe. Bah non, moi je le rends pas parce que j'ai des splash. Mais tu l'as des splash, mais ça va me soigner, gros. Bah oui, du coup. Bah oui, mais moi j'ai jamais dit le contraire avec tes claquettes bananes. Alors regarde, c'est yé. Ah ouais. Et du coup. Carré, gros. Et du coup, on fait comment, du coup? Comment tu voulais me faire mourir de la zone? Hein? Bah du coup, moi je te taille, mais je te soigne pas. Mais tu tailles, mais moi je me soigne avec mes clombets. C'est quoi les clombets? Bah les petits trucs du clombo là, ça soigne 15 chacun, j'en ai 6, je suis refait là. Ah mais moi de base je t'ai jamais dit que t'allais crever, je m'en fous. C'est eux qui veulent que je crève. Tu peux pas construire là bizarrement Fasher, vu que c'est trop petit. Ah bizarrement gros, je suis au bon endroit là. Mais moi pour une fois j'ai rien dit, t'es mon pro, tu me prends la tête. Je sais pas, vous vouliez me tuer dans la... Aïe. Mais moi j'ai rien dit. Regarde où ils m'ont mis, je suis dans un trou là. Ils sont tous mis là à essayer de me coincer la gueule, tels des chevals. Mon frère, il fait ça, mon frère. Ton frère, ouais, c'est une enflure de premier degré, ton frère. Mon frère. Ton frère, ouais. Tu peux pas mettre demi-heure blindée ici. Non, tu peux pas mettre demi-heure blindée. Regarde, c'est comme hop là. Et regarde, il va danser, quoi. Mais quoi? Merde. Ah. Alors, Zekrom. Cassez-toi, Zekrom. La. Attends, je mets un projecteur pour mieux vous éclairer. Regardez, ils se barrent tous en PLS, ils vont tous finir sans vie, c'est blaireau. T'as gagné, t'inquiète. Vas-y, vous venez, on arrête de faire les cons, on se concentre sur le. Ouais, ce serait pas mal. Zekrom qui va essayer de se soigner grâce à la viande du truc. Ah! Balance Zekrom! Balance! Putain, gros, y'a ma paix! Non, bah, tu fais ça tous les jours, gros! Imagine, je t'ai fait ça une fois! Non, mais pour une fois, je t'ai fait pas chier, tellement tranquille pour une fois! C'est toi là-dessus! Tu veux que je t'aide, Fasher? Hop là, je t'ai aidé, Tommy et Fasher. Merci. T'es mal, ils ont de la chance, ils ont des pizzas, ces enflures de premier degré. Bah oui. Mac, mange une parte. Mac, je mange une parte. Ma vie. C'est quoi cet accent là?
Regarde ton Magnus. Ah gros, genre je l'ai pas touché Axe. Non. Si t'as un Touchax. Mais regarde sur live gros, c'est quasiment interdit de pas l'avoir touché tellement que c'était sien. Stylei. 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 Tu vois, c'est stylei. Tu te moques pas de mon accent français, ok? Je suis étranger. Je suis pas français moi, ok? Ok. T'es raciste ou quoi? C'est Chrome. Moi je suis pas raciste. J'espère, ouais. Et de lui-même. Ah, moi j'accepte tout. Bah non, mais lui il est né en France. Il est français. Non, mais il est français, mais il a des origines, non? Bah oui, mais alors français c'est être français. Origine c'est. Ah, on parle de t'es quoi là? T'es français? Les origines c'est des origines, mais t'es français. Moi je suis portugais avec origine portugaise, donc je suis portugais moi. Je suis pas né en France, quoi. Je suis un pelo. Et tout. Mais, qui me tire dans les frites? Ah oh là, il me cherche jusqu'à la fin, ces mecs-là, Banks. Ah, ça a essayé de me mettre une balle. Ça a essayé, ouais. Ouais, regarde, mec, ils sont tous les 5 sur la... T'es moi. Ils sont 5, 4 mecs sur la colline, gros. Ouais, gros, mais c'est quoi, ça? N'allez pas, ouais. Hey, gros, j'aurais aimé avoir un putain de... un pad... J'ai un pad. Tommy, mets un putain de pad. Là, Tommy. Attends, ils sont barrés. Ah non, ils sont là-bas. Sur moi, je me fight contre lui. Il y en a un qui a pas pu spad. Il est là. Je tourne autour, il est. Mec, il bégaye, regarde. Go, Tano, go. Mais attends, il y a son pote qui me spam là. C'est ça que vous faites? Ah, il s'est barré. Encore, gros. Attends, cassé, ça sert à rien de monter, cassé. C'est chiant, casse. Putain. Waouh. Il est claqué au sol. Bah alors, vas-y, du coup. C'était ça que tu voulais montrer? Bah, tu es mort, je crois. Il a un HP sur moi, il a un HP, gros. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est trop. En fait, il y a deux mecs sur moi. Cassé, gros. La tête de ma mère, c'est... Zekrom, j'ai une team dans le dos en train de me snipe la gueule, gros. J'ai trois mecs sur moi, ouais. Je parle pas tôt. Et ils me font marrer. Gros, j'ai vraiment du monde en train de me viander le dos pour rien, là. Je comprends pas ce qu'ils sont en train de calfeutrer. Un HP, gros. Fous la mort, je... En plus, je veux repars cette merde. Putain. Waouh. Il n'a pas un... Vas-y, frère. Sac à merde. Putain, je me rencontre un micro qui fait des 90 de... Attention, mange la clombée. J'ai une petite balle de paix, mais... Attends, en plus, je vais m'inquiéter. Ouais, tu la manges après. Gros, il y avait des mecs qui me snipaient à genre 300 mètres. Pendant que deux mecs me spammaient au PM, au corps à corps. J'ai lavé les deux mecs au corps à corps. Mais je voulais pas, c'est pas, je voulais pas, il y avait deux mecs sur moi. Et Fasher avec Tommy qui était à côté de moi, gros. Et c'est toi qui es parti. Je faisais que de se barrer. Je mettais genre que des 20, des 20, 40, 20, 40. À la fin, moi, genre, je mets un 100, ou moins de choc. C'est trop, frère. On peut pas rire, là. De toute façon, la tête de homme, j'ai remarqué, gros, c'est toujours les gens qui savent pas, wesh, qui te mettent des balles bizarres. Tellement je prends les cartes. Genre, je sais pas, je. Comment dire, je sous-estime trop le joueur. Du coup, je me dis que c'est archi facile. Mais y'a trop de monde, gros. Y'a des mecs, deux mecs devant, deux mecs derrière. Moi, je peux me barrer avec les gants. T'es grand, mais regarde, tellement t'es grand, genre tu vois là. Montre-leur, c'est qui a gros ventre ici. Pas besoin de le montrer. Putain, Fasher, sérieux. Depuis tout à l'heure, je cherchais à te récupérer, gros. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai. Tu prends les tribus Spider. T'as qu'à faire, monsieur. Et toi, la petite
Voilà. Et... Les gaffe, ils sont 3, 2, 3 moches. Mais oui, oh. Ça c'est déjà vu. Touché. Oh la grenade. Et quoi ce que tu fais? Mais gros, non, non. Mais non, mais gros, mais t'es sérieux là? T'as une autre équipe, frère, putain. Vas-y frère. Eh hey, ça me saoule, t'as une autre équipe dans le dos, ils sont 4v1 et t'as une équipe dans le dos en train de me spam de loin là. Eh hey, dégage gros. Franchement ça me saoule, y a aucun kiff gros, aucun mérite. Y'a rien, même leur équipe gros, ils sont rien, ils sont tout split, y'a 4 zones de tir différentes. Tu te prends pas les tirs du même endroit, tu sais. Y'a 4 tirs de 4 endroits différents, plus une autre team, ça fait 5 endroits à tirer. Comment t'arrives à faire, tu vois? Même si t'es full box, tu te prends des balles dans la gueule. Avec leur putain de skin dégueulasse d'ailleurs, ça me saoule ça aussi. Gros, arrêtez de jouer avec ça. Franchement, des groutes, frère. Avec des putains. Mec, tu joues avec une racine, tu vois. Et la petite baguette étoilée en plus. Gros, je tire dans le mec en bas, j'ai la hauteur. Et aucune balle qui touche, d'un coup, je me prends 2 balles. Je me dis, bon, bah, je dois faire marche arrière. Je mets une grenade exprès vers le bas pour qu'elle retombe sur eux quand ils viennent me rush. Ça touche. Même comme ça, ils continuent à spam, gros. Y'a rien qui les arrête, ces mecs-là. À part la mort, y'a rien qui les arrête. Tu peux rien faire. Donc, les gars, on va s'arrêter là. J'ai plus envie de jouer, il est 23h50, stop. Voilà, stop. Ça fait 3h, stop. On se retrouve demain, la boutique tout à l'heure, peut-être avec le nouveau skin Australie. Avec plaisir qu'on le retrouvera ensemble s'il est là. Et voilà, donc merci beaucoup, gros bisous à vous les gars. Je m'en vais en glissant vers la neige, gros bisous, bonne soirée. À dans une heure les gars, ciao.